n'a pas observé. Diaspora haïtienne non, prend note. Peuple haïtien qui a souffri dans le pays d'Haïti, prend acte. Pouvoir politique là, n'a pas gardé. Mais pour le moment, Haïti a un grand problème. C'est problème insécurité. Actuellement là sur le plan diplomatique, Haïti a confronté avec un problème qui c'est problème dominicain qui a déporté haïtien de manière brutale, sauvage, comme si yo pas respecté droit yo. Mais maintenant, qui ça autorité politique yo décide faire? Mais qui ça qui gagne comme information? Gagne Leslie Voltaire. En pile haïtien en dedans pouvoir a dit comme ça que monsieur faut que nous font bagay. Ça que vous faites là, faut que nous bayon réponse direct pour Dominicani senti que réponse là li approprié avec ça que y a fait. Qui ça que lié? N'a dit fermer frontière là c'est une meilleure option. Tendez bien oui, c'est plusieurs monde qui dans pouvoir qui parler de ça. C'est une meilleure option que nous capable et prend qui fait que la Dominicaine pourrait sentir que nous bayon réponse proportionnelle. Et bon comment ça passé? Leslie Voltaire pas répondre sur l'information. Gary Conille pas prononcer sur ça sur l'information. En pile nèg dans primature là dit que c'est pas meilleur moment pour que nous fermer frontières. Oligarque corrompu campé tenne face dit que ça pas passer. Justin Privert a fait pression avec l'équipe pour la valasse pas qui ça passer. Maintenant dans toute bagaille ça on a regardé là moi peuple là dans mi temps cap victime. Moi ressortissant nous yo cap victime en Dominicani. Moi parler sous situation chaque jour. Moi recevoir doléances haïtien chaque jour. Moi recevoir appel haïtien, message haïtien qui dans souffrance, message haïtien, c'est de message de détresse. OK? Haïtien a mouri grand goût en dans caille en Dominicani parce que pas capable la rue. C'est des crimes contre l'humanité. Mais m'a profité pour que me batte un gros bravo. Pour que patriotes haïtiens nous yo qui tendez nous qui décidez quitter la Dominicani volontairement. M'a dit m'gen quelques grand monde toujours. OK? M'a dit m'gen quelques grand haïtiens toujours. En pile nan yo décidez quitter la Dominicani volontairement pour yo prendre Haïti sous deux pieds yo. Et ça cause encore une fois m'a dit Zami qui ka vini en aide avec plateforme YouTube Infobeto, plateforme Foucault Tax Section 9, pour nous aller en support avec un pile compatriote haïtien qui gen timoun. Dis-nous ça très bien, oui, qui gen timoun. Nous aider plusieurs grands moun. Kade comment pour yon quitter l'autre bord, même si yon gen difficulté pour yon quitter. Mais depuis c'est ou qui décide de prendre valise ou mallette ou pour quitter ou ap quitter. Yon pile kap quitter l'autre bord demain si Dieu veut. Parce que yo arrangé yo pour yo quitter nous aider aux jeunes possibilités parce que faire au moyen à jeune famille haïtienne en Dominicani li extrêmement compliqué moyen qu'arrivant Dominicani mais pour arriver jeune moun nan ou obligé utiliser un haïtien qui a une machine que Dominique pap camper dans la rue qui pas n'importe machine qui ka fait parcours aller de caille en caille dans zone côté moun yo pour garder comment ça fait mais c'est pas tout côté ça n'a fait nous commencer faire le capital nous pour atterri Santiago. Pour nous faire Santiago, nous obligé d'utiliser yon moun Santiago qui gon machine qui ka peut-être fait déplacement. Mais lui même tout ka fait déplacement, pas légal tout. Haïtien qu'on ka utilisé qui pou faire et parcours pour nous, c'est des moun qui extrêmement occupé. Yon gen résidence dominicain, mais de fait, yon obligé rendre nos services là parce que ça ka passe ya, li fait yon mal en pile. Gen madame yon haïtien qui zanmim madame, monsieur, sont dominicaine. Mais madame, monsieur, gagne, et monsieur, expliquez-moi, il gagne 27 ans mariage avec madame ni. Yo gagne gros timoun. Avant mariage, yo te gagne fait 2 ans remè. Ça veut dire que c'est de moun qui gagne 29 ans à vivre ensemble. Yo gagne gros timoun. Petit, monsieur, avec petit dominicaine. Avec dominicaine. Monsieur dit, pourquoi j'ai madame ni à crier? J'ai madame ni à crier? Pour image que m'te posté hier l'an côté que montre quantité haïtien qui mouri dans accident dans immigration qui a couru des camions qui ga haïtien monsieur dit madame ni a crié madame ni son moun l'église parce que l'émission tande émission c'est sous grand écran la kayli
et madame ni a gardé nous. Et madame ni qu'on aime très bien, c'est mon panon. Monsieur dit pour madame ni cap crier, monsieur dit l'a gardé bagay là. Monsieur dit s'entend de la Rachel. Il dit là madame n'a crié, madame n'a prié les deux sœurs, l'église li, pasteur l'église li pour au moins pour parler avec communauté évangélique dominicaine pour plus ou moins. Tu t'allez voir pour dire comme ça que il y a pas de problème pour nèg yo faire déportation mais si n'a pas fait dans limite que ça mandé respecter moun yo, pas éliminer moun yo comme ça, yo c'est moun même j'avais nous, yo c'est petit bon Dieu. Même j'avais nous, son seul créateur qui fait nous toutes. Ça arrive nous pas les même couleur. C'est des bagailles graves. Et c'est un nèg qui ba moi en pile information sur évolution ça qui a passé en Dominicani. Et monsieur Dim pour me dire avec haïtien yo fait caravane quitter la Dominicanie, pas quitter yo, pas quitter yo humilier nous, pas quitter immigration al prend on al fermer on Haïna. Moi mande monsieur pour aller Haïna pour aller garder site tafa pour ta fonti parler avec haïtien pour nous. Monsieur dit comme ça que nèg yo met on lin camion dans rentrer Haïna, yo pa vle quitter moun vin visite dedans. Monsieur dit il gen moun dedans kap soufri li besoin le yo, monsieur dit yo pa vle quitter le rentrer. Monsieur dit le bral ouais, c'est le utilisé madame ni pour voir madame ni aller avec des sœurs l'église pour que l'autre boa pour aller visiter. Me dit monsieur son petit vidéo que besoin pour nous voir pour moi pour filmer haïtien qui en dedans espace goral côté yo mettait tant cabrit là avant que yo prenne mettant camion pour aller avec yo. Me dit monsieur fait tout sacrifice qu'on capable même si c'est un guad dominicain qu'on utilisé pour faire ça. Il y a deux militaires dominicains haïtien que gagné mais n'a pas travaillé dans zone ça. Et aussi dans la rue, qui yo. Yo pas quitté yo dans quartel ça côté dans dépôt côté yo met haïtien yo. Ça ils sont pas ou bien pas cabri pas cochon de carrelel mais c'est là yo met haïtien yo. Messieurs dames. Autorité qui dans pouvoir pays d'Haïti. Vraiment désolé mais m'a utilisé vraiment pour me parler pour compatriotes haïtiens yo même pas parler selon moi-même. Quitte me parler dans voix yo, dans nom yo. Ou même qui c'est ministre, premier ministre et membre conseil présidentiel, directeur cabinet et ancien sénateur, ancien député, autorité politique. Monsieur, je dis un haïtien rive au niveau côté que y a disparaître. Nous considérons que nous même comme politiciens c'est nous qui mettons dans ça. Mais monsieur nous rive au niveau côté que nous pas qu'après la mort à cri comme ça. Haïtien depuis le ouais, deux motocyclettes policiers dominicani, li ouais la mort en face pour le moment. Ça veut dire que moun yo traumatisé. Haïtien depuis le temps de nan zone nan, li tande au mégaphone kap, parce que pas oublier, Dominique yo mette choc saon de yo. Ça veut dire que yo mette camion qui gen son de yo, avec un spot publicité kap pri kap di haïtien yo, al la kayou, bete partout kasa, al nan pays ou, kite zone nan. Kite zone nan, si n pa kite l, sa k pral passe à la pi grave. Yo pa passe pour faire annonce encore. Ça veut dire, imaginons un haïtien quand dans la kaili, qui tant d'autres chok sa on a dit, nous quitte la kaili nous, si n pa kite la kaili nous, sa k pral passe à la pi grave, et Dominique pas responsable. Ou imaginons qui qualité traumatisme, qui j'en haïtien sa frustré. Monsieur m'a dit non. N'a fait politique dans le pays ya. Nous riches, sous dos peuple haïtien. Nous riches, sous malheureux malheureuse. Nous riches dans l'état pays d'Haïti. Mais monsieur Jodia, m'a dit non, si pas de monde qui existe, ça veut dire qu'il a suspendu jeune cob. Faut que monde pour nous jeune cob pour nous voler. En nous baille possibilité pour haïtien capable de vivre en petit crasse. En nous vire yeux gardés, compatriotes haïtiens nous yo. En signe de solidarité, n'a demandé nous prendre décision. L'État même, pour l'État prendre décision ça. C'est l'État qui pour fermer frontière avec la Dominicanie. Mais monsieur, pas quitter ce peuple-là qu'elle fait le nom. L'État prend décision, non. L'État pays, mouche l'État. Docteur Gariconi, prend décision, non. Fermer frontière avec la Dominicanie jusqu'à nouvel ordre, non. Yo coupe relation diplomatique avec nous. Yo a déporté haïtien massivement et yo maltraité nous.
Mais monsieur, qui ça qui empêche que Haïti prenne décision pour fermer frontières avec la Dominicanie, monsieur? Qui ça qui empêche ça? Alors, parce que, il y a des politiciens qui gagnent en Dominicanie, qui investissent en Dominicanie, parce que il y a un oligarque qui investit en Dominicanie, monsieur. Dis un mot pour le peuple là, non, monsieur. Dis un mot pour Haïti qui a mouru, non, monsieur. Dis un mot pour Haïti qui n'a pas vivre encore, non, monsieur. Dis un mot pour les jeunes qui a souffert quand on est en Dominicanie, mais qui n'a pas pris la rue. Pour la loubille de transfert, pour la chercher $100 qu'on famille voye pour lui. Parce que l'immigration a tout yel. Dis un mot pour yon, monsieur. Sauvez la vie haïtienne, nous mettre là. En nous fermer frontières. Avec Haïti, avec la Dominicanie. Et puis l'État pays d'Haïti. Après, t'es l'autre bord frontière là. Pour nous quitter ton couloir. Pour nous recevoir compatriotes haïtiens. En nous fait ça. Dominique, tu es trop haïtien. Dominique, tu es trop haïtien. Nous pas qu'à camper pour nous quitter ça pour continuer. M'entend de Galvez, sous radio et télévision Caraïbes, kap témoigner au bagay que nous te parlé. Et que m'te dit, l'étape fait, peut-être que, en pile l'autre plateforme patroué le el. Mais, monsieur que formé, zami plateforme YouTube et Foubeto yo, a parlé de lui et a partagé l'avec l'autre zami. Ça que je me demande nous, la nous tende émission, pas qu'un bel pour nous, partagez l'avec un frère, partagez l'avec un soeur. Ben m'retourne souvent ça, encore une fois, que Galvez te publié. Monsieur dame, li fait, c'est tristesse que ça y est. Bon, fait nous tendre avec un pile intérêt. Ça, li grave en pile. N'a pas compris effectivement, ça, il s'ap vive. En de Galvez. Galvez, c'est citoyen ça, qui c'est haïtien, haïtien dominicain, qui toujours gagne émission qui relève Tico, Tico Zé dans Pagnol, qui connaît grand boulevard avec Bob C, qu'on a parlé encore, peut-être qu'il quitte. En tant de ça, avec un pile intérêt, tant de bagay, et son véritable soli. Tant de ça. Galvez est avec nous, Galvez pas fait un petit round-up pour nous de ça, gagner l'autre bois, comment la situation est en attendant. Galvez, comment est bonjour, Daniel Saint-Pierre, bonjour à tout le monde, c'est un plaisir pour moi de parler avec vous, monsieur Sayo, et bonjour, Gérin. Galvez, alors, qui dernière nouvelle, comme on va connaître sur l'autre bois entre temps, et comment la situation est l'autre bois toujours? Est-ce que toujours chercher mon la caillou, là où il y a mon haïtien pas sorti? Comment ça est? Et nous avons parlé là, il y a un sombre, il y a un ombrage eh bien, qui couvre l'immigration dominicaine. Suite, hier, côté, il y a deux policiers eh bien, qui prennent un haïtien devant la Kali. Ils ont tellement baptisé le coup de poing dans la bouche, ils ont peut-être tout donné et monsieur perd conscience. Alors, il est tombé, bouge bas, le policier a levé deux pieds libres sous le coup, monsieur a mouru, malgré le mouru. Yo mette il son moto, yo a lave cadavre là. Oui, mte, ouais, moi image là vraiment. C'est pas qui fait. Bon, effectivement, oui, fait. C'est pas, c'est fait. Au contraire. Et est-ce que nous tendez ça, Galvez dit là? Est-ce que nous prenons temps de nous prendre son pour nous tendez qui ça, Galvez dit là? Bah, me répondre ni pour nous. Partagez pour nous, hein. Entre temps, bah, me profiter, me saluer chaque gars nanon, captain de cap garder émission, hein. Jodi an qui c'est 9 octobre 2024 là. Partagez pour nous, commentez, like, abonnez si vous abonnez. Partagez pour nous. Entendez. Moun qui était là yo et acheté là yo caprié dominicain yo caprié tout. Mais femme dit vous gagne une association dominicain par exemple dans Santiago, Puerto Plata et qui déjà porté plainte contre migration parce que gagne deux volets. D'abord, et la police dominicaine pas qu'un doit participer dans déporter moun. La police là pour porter celle son haïtien devant la Kali. Et nous avons parlé voilà là, il y a un sombre, il y a un ombrage eh bien qui couvre l'immigration dominicaine. Suite hier côté il y a deux policiers eh bien qui prennent un haïtien devant la Kali. Ça dit oui. Ils ont tellement baptisé le coup de poing dans la bouche, ils ont peut-être tout donné et monsieur perd de conscience. Alors tombé, bouge bas. Le policier a levé deux pieds libres sous coup, monsieur a mouru. Malgré le mouru, il a mis son moto, il a lavé le cadavre. Oui, moi, ouais, image là vraiment. C'est pas qui fait. Et effectivement, oui, fait. C'est fait. Au contraire. Et moun qui était là, yo, et acheté là, au Caprié, Dominicain, au Caprié tout. Mais femme dit, vous, il y a une association Dominicain, par exemple, dans Santiago, Puerto Plata. Et qui déjà porté plainte contre l'immigration parce que il y a deux volets. D'abord, et la police dominicaine pas qu'un doit participer dans déporter moun. La police là pour porter sécurité pour citoyens, mais ou pas qu'un doit déporter moun
Donc, déjà, il y a une violation flagrante. La police dominicaine n'a pas participé dans le dépôt haïtien. Ça, c'est le premier volet que l'État haïtien, comme nous avons des grands avocats dans le pays d'Haïti, est capable de penser à ça. Dans aucun pays, ou pas jamais la police qui a dévoté le monde, sinon on va prendre l'immigration. Mm-hmm. Ça, c'est le premier coup. Mais, comme il faut tirer les barreaux et Denel, Galvez, comme moi, son l'autre numéro, attendez bien. Parce que ça qui a passé là, c'est extrêmement grave, nous ne pouvons pas quitter ça à continuer. Non, ça, il faut que vous fassiez. Est-ce que nous pouvons quitter un peuple à péri, à détruire dans des conditions pareilles? En bas, comme Simdadjo, en bas qui est, en bas on l'autre pays qui coule avec. En bas on peuple dans l'autre pays qui coule avec. En bas gouvernement l'autre pays qui coule avec. Ok, nous sommes même bout de terre. Luis Abinadel décide de faire ça, c'est parce que monsieur montre qu'ils sont racistes. Ils sont racistes, mais ils montrent qu'ils ont protégé le territoire. Ils ont travaillé la Cali. Ils ont détruit Haïti, mais ils ont travaillé la Cali. Ou après qu'ils n'ont jamais prononcé. Sous Jocelyn River, Jean-Max Belrive, Jean-Henri Seyan, tout oligarque corrompu qui a volé comme Haïti, qui a investi la Kaili. Il va jamais prononcer le monde ça. Mais par conséquent, ou après qu'il a pas attaqué, qui est Haïtien qui a construit la Dominicanie pour lui. Et c'est yo. Bravo avec chaque grand Haïtien qui décide de quitter la Dominicanie volontairement. Bravo pour nous et son choix qu'il fait pour que nous mourions, pour que nous fassions choix pour nous sortir la Dominicanie dans la dignité. Mais mourir. Avec humiliation, les gens pile. Fait un choix. Entendez ça toujours. Et donc, d'après le jeu. Oui, Galvez. Allô? Allô? Oui, yeah. Oui, Galvez. Oui, avec nous là. Oui, je vais dire non. Premièrement, et n'a pas historique tout petit, même si c'est en seconde. Laissez nos Vincent, le président d'Haïti, avec tous les autres présidents dominicains. Eh bien, c'était deux cousins. Mais ça, c'est cousin et m'invitait la presse haïtienne à investiguer Pioret. Seigneur Vincent avec lui, était deux cousins. Donc, et non seulement deux cousins, mais Seigneur Vincent, tout le monde est baptisé petit. Et Seigneur Vincent, qui était Nadine Vincent, qui mourit en 1992 en Dominicanie, et il a enterré dans la zone El Condé. Et là, enterré Nadine Vincent, et qui actuellement petit, qui travaille toute l'Union européenne dans le moment par là. Voilà. Mm-hmm. Donc, et tout le monde est porté en chèque. $250,000 américains, by Seigneur Vincent, à raison de $6,75 chaque grenade ici. Quand il y a là, et c'est un certain temps, c'est pour demander, est-ce que copie chèque ça? Et puisque c'est un représentant signé, il n'est pas encore là, pas oublier après le massacre là, et c'est sur le tapis rouge que tout le monde recevra, et Vincent recevra tout le monde en Haïti. Quand il y a là, est-ce que dans l'archive nationale PIA, nous avons copie chèque ça? Ça, c'est premier. Deuxième, même date encore, l'intéressant, parce que Boyer, non seulement, c'est Nounia de Caceres qui était invité et Boye Saint-Domingue. À l'époque, Espagnol était point la Dominicaine. Et c'est grâce à Boye qui fait, dans 22 ans ça, mais il faut me dire où? L'autre chose à Boye, dans la puerta de la Misericordia, ça veut dire la porte de Condé, côté actuellement là, qui c'est Télémico. C'est l'autre chose à Boye, et il était chanté pour l'île nationale dominicaine. Mm-hmm. Caceres te remet, champion Boye, clé dominicanien. Et je te conduis, monsieur, je recevoir la première mairie construite par Nicolas de Rwando. Jusqu'à maintenant, encore existé. Et côté, je te signé des papiers et que tu as accepté voyez, pour la Dominicanie. Mm-hmm. Mais pas jamais question de Haïti, de Saint-Domingue. Jamais. Ça, c'est une. Troisième, ma foi, qu'on est dans cet temps, nous avons des mois. Côté la Ticose de la Pagnole, nous avons relé l'État haïtien. Attention, nous avons dit l'État, attention. Il y a 70 000 étudiants haïtiens qui sont domaine qui n'ont pas un visa. Qui n'ont pas un visa. Est-ce que vous connaissez Daniel Saint-On, Gérard Alexandre, nous, messieurs qui n'avons pas là, est-ce que vous connaissez en 2021, Abinader, tu es étudiant, chance ça, puis vous avez un visa étudiant, ça, vous pas payé. Eh bien, c'est l'ambassade d'Haïti qui t'a vendu un visa. Vous vendu un visa. L'Abinader vient au courant de ça, il est bloqué pour ce système-là. Mais premier route nous prend. Et à l'époque, n'est-ce qu'il était ambassadeur haïtien à l'époque, nous croyons que c'est Spino-Christin, mais il n'a pas accepté le système Zayo et il a une révocation comme ambassadeur haïtien dans Santo Domingo. Mais, tu quoi faire visa étudiant gratis et autorité haïtienne de l'ambassade haïtienne dans la Dominicanie, il a vendu. On a ça qui a passé là, je vous dis là. Léo Gardenel, c'est donc,
la République dominicaine, tout consulat dominicain en Haïti, après, ce sont des gens qui madré, des gens qui préparent, vous voyez. Mais je veux dire, même comme haïtien, là que ou sénateur, demain matin, madame, on est ambassadeur, demain matin, petit, on est consul, et vous voyez, c'est le domaine. Récemment, notre ministre des étrangères, il dit, non, que. Il est au courant de toute sa capacité de domaine par rapport à la chancellerie haïtienne dans ce domaine. Moi-même, je me suis démenti, je ne sais pas vrai. Parce que dans mon parole là, il y a un cas qui a près de 8 mois, et il est pendant dans la justice qui a été connu de l'ancien temps, qui est un jeune petit demoiselle haïtienne de 14 ans. Il y a une autorité dominicaine dans l'immigration dominicaine, violée dans les portes de Dakana. Jusqu'à maintenant, la presse dominicaine parlait de ça. Et l'autorité haïtienne, pourquoi elle dit rien? Pour ces haïtiens, ça. Récemment, il y a un accident passé. Combien de monde qui mourit dans l'Igwe? On ne peut pas être haïtien mourir dans l'accident machine. Madame Daniel Saint-Don, est-ce que consulat haïtien qui dans l'Igwe? Il n'y a pas dit rien. Donc, voilà, nous fabriquons une figure de non-respect à l'haïtienneté. Il n'y a pas respecté nous. Il a fait nous sans-nouveler. Il y a montré nous. Je n'ai pas agi dans le pays, pas nous. Il n'y a même pas accepté comme ça. Il y en a qui ça pour nous faire? Pour nous résoudre le problème. Donc, c'est chita entre nous, trouver une solution entre nous pour nous reconstruire le pays, nous, parce que Dominicani, il a toujours besoin d'Haïtiens. Oui, pour travailler. Pour nous retourner sur nous-mêmes, pour nous travailler comme Haïtiens, pour nous retourner dans notre page. Galvez. Il y a des ONG qui établissent Koyo, Tankouga, OIM, ONM, la frontière. Mais Mabdiou, il y a un pharmacien qui sorti dans le nord-est, qui prend Saint-Domingue. S'il va à Santiago, il y a 50 000 personnes pour Santiago. S'il va à la capitale, il y a 90 000 personnes dans la capitale. S'il va à Punta Cana, il y a 100 000 personnes pour aller à Punta Cana. Eh bien, au lieu que on a dit, il y a pas de tout en répartiment, mais tu as dit, bon, on a construit de l'hôpital pour que mon monde s'aille. Au lieu qu'il y ait 1 000 000 en Dominicani, il y a un hôpital, mais ça n'a pas jamais fait. Et pour nous finir net, Daniel Saint-Don, ça fait quelques jours. C'est comme ça qu'on va informer l'État haïtien, des Dominicains avec Haïtiens, de l'agence SAM, qui ont un faux visa. Faux visa. Je ne veux dire, nous ne pouvons pas connaître combien Haïtiens qui n'ont pris Saint-Domingue, parce qu'il y a un paquet de gens qui sont ici, pas au prince, qui sont au Cap, au Caïs, ils ont mis tout de côté. Dominicains, pour eux, ils disent, nous parlons de Porto Rico à 7 000 dollars américains. Eh bien, là, vous venez dans la zone, et Punta Cana, ils ont la guerre au plage là, ils ont allé. Eh bien, voilà, de l'instant, c'est qu'on s'annouille. Dans le moment là, on somme réellement à Dominicani, mais tellement qu'il n'y a pas le bonheur d'Adi, la présidente. Mais Galvez, pour nous finir, où dit, haïtien, il vidéo, moi, ouais, côté policier, qui était sous moto, lui, a frappé haïtien, lui, qui est bien cool, frappé la tête, bien la coupe, dernier coup de pied, le bas, il sous coup là, haïtien, ça a mouru. Oui, malgré moi, il y a la moto. Est-ce que nous, il veut jouer l'identité citoyenne et haïtienne? Non, on ne peut pas jouer l'identité parce que la majorité, premièrement, il faut que tu aies une autorité haïtienne qui décide de faire ça et chercher haïtien côté qui ça a fait. D'ailleurs, pas rien, sauf que vidéo, je veux dire, grâce à les sociaux en Dominicani et Haïti, on ne peut pas voir une vidéo, mais autorité haïtienne ne peut pas connaître ça. Mais est-ce que est-ce que l'incident ça qui a pas cherché qu'on est dans qui côté dans San Pedro Macorís ça a passé? Est-ce que c'est dans la capitale là? Parce que il y a une photo, il y a une image de business qui a un numéro de téléphone. Eh bien, on va pas suivre vidéo ça, puis ouais, qui côté y'a là avec Adamasien ça? D'ailleurs, Mabdou, de l'incident, ça va nouveau. Il y a un haïtien qui mourit dans le Caribe et tout. Caribe et tout qui a fait Haïti pour passer à ce domaine là. Haïtien est sorti dans la capitale à l'époque de Santiago. Là, il vient la Vega, il y a un malaise qui prend. Il est mouru dans le bus là. Le chauffeur descend le bus là, il est lagué à la terre et puis il est allé. Eh bien, je vous dis, malgré le consulat haïtien au courant de Santiago, il n'y a pas dit rien de Daniel Saint-Don. D'accord. Les a couru sous nous en pile. Mais ça, je voulais vous préciser pour nous. Est-ce que par rapport à ça qui passe à la vidéo, nous, côté haïtien, il est mouru? Bon, comme on dit, nous ne pouvons pas identifier, nous ne pouvons pas dire si effectivement c'est haïtien ou pas. Parce que depuis que nous avons regardé les gens, nous ne pouvons pas donner, nous avons pris une petite précaution. Alors, prétendu haïtien, nous prétendons que c'est haïtien ou t'es prêt.
Est-ce que par rapport à sa criée, soit les sous-migrations, est-ce que volume chasse qui t'a fait que t'as essayé au fond calmer par rapport à ça? Voilà. Et nous t'apprenons de Nelson Saint-On avec Galvez, Ticozé, Napriol, qui nous t'apprenons et alors, m'te trouvé l'intéressant pour que moi partager l'intervention ensemble avec nous. Mais c'est une façon pour me permettre de comprendre la réalité à, et qui s'abarre là hier en Dominicanie. Je dis à m'vle chaque gnaïsé qu'on est que Dominicain a apprendre la caille moun. Apprendre la caille moun, en pile image montre l, en pile image montre que Dominicain a apprendre la caille moun, mais, ou regardez pour eux, gen ou n'yon fait que voye pour moi, par contre, si m'ka montre l, ou après que neg yo meni, neg yo krasi yo kadna, pour rentrer dans la cour, la caille et haïtien. Côté haïtien rété. Ça veut dire qu'il y a crasé barrière pour rentrer, pour aller prendre dans la caille. Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que je voulais nous comprendre la réalité ça qui est là. Ce n'est pas jouet qui est là. C'est gros bagage qui est là. Et haïtien est en danger. Et c'est nous seulement qui est capable d'aider à sortir dans ce que vous trouvez. Un, gagner. Messieurs qui sont en politique en Haïti, ils sont pas capables d'aider Haïtiens. Ils sont pas capables d'aider Haïtiens. Parce que pas oublier, ils ont volé comme Haïti, ils investi en Dominicanie. Ça veut dire que ça, ils ont pas pral mode de douette qu'ils ont mangé ou du moins, ils ont pas pral attaquer la Dominicanie sous prétexte que ils ont doué aider Haïtiens. Ça pas intéressé, eux. Vous comprenez? Ça pas intéressé, eux. Et m'a dit, nous, ça très bien, seul monde qui est capable d'avoir une solution, ou bien, bah, la Dominicanie en réponse, c'est Jean Mdioulan, c'est peuple souverain, qui doit camper, qui vous dit comme ça que ça pas qu'à continuer, et bien, dans ce sens, ça, nous décider pour que nous-mêmes, comme haïtiens conséquents, pour nous bailler la Dominicanie, une réponse. Qui réponse? Nous connaissons que la Dominicanie a fait plus passer 100 millions de dollars américains sous frontière là, chaque mois. Nous allons décortiquer pour nous comprendre la réalité, et qui gagne, là, nous voyons que nous avons décidé pour que Haïti tourne, si la coule de la Dominicanie, pour nous comprendre que c'est comme si son vrai plan qui est lié, l'a fait avec haïtiens, c'est Haïti qui a exécuté plan pour la Dominicanie, et puis la Dominicanie lui-même, l'a joint l'argent pour que l'a joint, et puis la paye Haïti. M'a dit ça très bien. Ouais, pour la Dominicanie, ça pas rien pour le payer 2-3 grands politiciens 100 000 dollars américains chaque mois. Ça va déranger la Dominicanie pour le dépenser 2-3 millions de dollars américains dans payer politiciens. Ça va déranger. Depuis qu'a Kembe, ça gagne la instabilité à pour lui en permanence, Kembe instabilité à envie, Kembe Kawa en permanence. Mais de fait, il n'y a pas de problème. Pour le payer de Michel 50 000 dollars américains par mois, 100 000 dollars américains par mois, il n'y a pas de problème ça. Il n'y a pas de problème pour le payer qui dans CP, comme si on a dit 100 150 000 dollars américains par mois. Ça ne pas déranger parce que volume cob que a fait, volume cob que a fait là sous Haïti, il n'y a pas de problème. Il y a souhait qu'il y ait des âmes dans le pays. Avec balle pour ne pas payer à Koulavo. Et pour lui-même encore, lui marcher dans tout côté international pour la dénigrer ou comme peuple. Donc, à comprendre. Ça veut dire que Hennan arrive loin. Et sur le plan diplomatique, Abinadel détruit Haïti. Aïe, 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 monsieur. Sur le plan diplomatique, Abinadel détruit Haïti. Et je vais montrer nos bagailles pour me capable traverser dans la phase côté que je vais dire nos quantités d'argent qu'a fait là et que nous-mêmes, nous avons la nécessité qui gagne pour que. Et nous avons la nécessité qui gagne pour que nous organisions. Et nous allons montrer nos bagailles. Pour nous voir qui côté, dans qui dépôt vous mettez haïtien et qui traitement, qui j'en fait haïtien en dedans. Regardez, nous allons montrer nos images. Il y a personne qui est, il y a personne qui mette blou dans les yeux. Regardez pour vous. Regardez nos images. Ça sont le côté que vous mettez haïtien. Venez. Vérifiez ça pour nous. Vérifiez ça avec pour nous. Meni, ouais. Meni. Regardez l'image ça bien. Mes amis, coupez ça pour nous. Non. Je vais nous partager pour moi. Je sais que c'est partager mission. Partager nous façon avec les amis qui n'ont pas de ça pour nous. Partager tes rubriques ça. Partager ça avec mon yo. Partager ça pour nous. Et m'a prendre chaque grand nous voyer une voix sur WhatsApp là pour nous quitter revendication pas nous m'a passer pour nous dans l'autre émission yo. Si chaque nous voyons une voice m'a fait le passer ou en Dominicanie voyons voice expliquer situation. OK, et pareil me connaît que nous gain problème que ce bagarre aide mais expliquer situation voyons voice expliquer ou dans diaspora
ou États-Unis ou France Canada ou passer revendication pour passer opinion pour qui ça doit faire qui sont encouragés moun yo fait voyons voice pour nous on nous garder ça pour nous pour montrer qui qualité ça qui jappe maltraite haïtien yo en dedans pas qui relé Aina dans Santo Domingo garder ça mené des citoyens haïtiens des jeunes garçons haïtiens on force de travail que nous gagnons on masse jeunes garçons qui des canal armé attendez pour nous aïe aïe monsieur wo. Éternel des armées. Many. Oh bon Dieu. Regardez pour nous. Regardez. Est-ce que nous comprenons bien? Pendant que tout pays a besoin de jeunes, parce qu'il connaît jeunes, c'est force de travail, jeunes, c'est jeune attendez c'est nouvelle tête li c'est force jeune ni c'est une connaissance jeune ni comme si jeune ni c'est force militaire li par contre vous comprenez et puis nous même nous détruit pas nous yo nous gaspiller pas nous yo nous ouvert porte pays à ba ou pété courir nous forcer quitter pays à si on pas veut sacrété à l'obligé rentrer dans gang parce que gang prison bola kali sacrété à tout la police fusiller n'importe qui gens depuis on marcher là oui ils mettent pas accusation sur nous yo ils détruit n'importe qui gens. Est-ce que nous trouvons le normal? Est-ce que nous trouvons ça normal? Sous pour ça m'a demandé nous. Mes amis, nous font sacrifice. Nous prenons pour m'tende, commandant en chef révolution, hein, qui c'est commandant Guy Philippe. Guy Philippe dit, Madame Dominique Dupuis, comme chef diplomatie haïtien, mandé ambassadeur dominicain qui est en Haïti, dit l'oubal 48 heures de temps pour quitter le territoire pays d'Haïti. Guy Philippe mandé ça. Comme si monsieur nous pas faire action pour nous prouver que nous sommes moun. Oh! Peuple a dû prendre engagement, monsieur. Non. En comme si pour autorité pays ne pas prendre engagement, yo. Pour que yo font une réponse ba la Dominicaine rapide pressé non m'bap capable li pas possible li inacceptable. L'inacceptable. Il va logique. Guy Philippe mandé ministre affaires étrangères pays d'Haïti pour que lui prenne décision pour déclarer ambassadeur dominicain persona non grata. Bal 48 heures de temps pour lui quitter pays d'Haïti. OK? Faut convoquer li clair. L'éclair, c'est une meilleure bagaille que me pensais lié. Bon, moi, si m'pas de gain audio là, bon, moi, si m'gain yel, si m'te gain da passe li, commandant Guy Philippe, bon, moi, si m'gain yel, bon, moi. Ok, bon, moi, si m'gain ça là. Ta passe Saint-Domingue là, je dis à la maman qui mène les petits de l'école et puis il pour maman et puis petit de l'école. Qui est-ce 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 quand j'ai connu la vive, le bagage ça, yo, faut qu'il indigné. Et comme il indigné, faut qu'il prenne décision pour voir qui j'ai pour le faire payer, vivre un plus bon moment. Pas il va être trop difficile, faut que je change. Et pour changer, faut que c'est nous toutes qui mettons là-dedans. Ça va passer, c'est nous-mêmes, c'est une garde pour son dé. Des nègres, des bandits, allez prendre amis, tuer plus que 70 mounes dans la localité, dans le petit côté. 70 mounes contre l'État. Pendant ce temps, on a dit, nègres, nous, c'est parti, c'est voyager, c'est bagage. Côté ministère des Affaires étrangères, nous, quand le président Edgar Leblanc t'a parlé de Dessalines dernièrement, moi, je pense que c'est un rôle, président Edgar Leblanc, qui se parle, j'en ai parlé dans l'ONU, soi-disant, mais Haïti, parler de Dessalines, de l'histoire, nous. Entendez.
comme la vérité de la pays. Mais au moins, il a fait ministre affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne non grata et balle 48 heures de politique de pays. Clair. Wow. Il pas normal pour l'affaire. Convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne non grata et balle 48 heures de politique de pays. Wow. Il pas normal pour l'affaire haïtienne passer, ça a fait le passé la République dominicaine. Maman qui était sur l'école, yo, maman. Il y a le travail, yo, bro, yo. Yo quitte toute famille, yo. Tout ça, on bien, tout si bien, yo. Il pas normal pour traiter ton peuple comme ça, et puis nous-mêmes, comme une dirigeante, qui a gardé. On reprend ça encore, commandant. On débat dans l'eau, ni soi-disant, mais Haïti, il va aller des salines, de l'histoire, nous. Même dans la invité pour venir dans le pays, mais au moins, il a fait ministre affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain, et déclaré une personne non grata, et balle 48 heures de politique de l'IA. Wow. Il pas normal pour l'affaire haïtienne passer, ça a fait le passé la République dominicaine. Maman qui était sur l'école, yo, maman. Il y a le travail, yo, bravo. Yo quitte toute famille, yo. Tout ça, on bien, tout si bien, yo. Il pas normal pour traiter ton peuple comme ça, et puis nous-mêmes, comme dirigeants, nous avons gardé. Voilà. C'était commandant chef révolution, hein, leader conséquent, ancien sénateur, là, qui c'est commandant Guy Philippe. Et c'est seul Guy Philippe qui était arrivé dans tête pays, là, où t'as senti que ça a passé, à t'as eu des réponses. Pressé, pressé. Parce que Guy Philippe Patchoul, Guy Philippe pas reste avec, Guy Philippe pas reste à moun, Guy Philippe pas corrompu, Guy Philippe pas gen met. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, doit convoquer ambassadeur République dominicaine en Haïti hein, et déclarer le persona non grata, bal 48 de dedans pour quitter pays d'Haïti. Ça c'est déclaration commandant Guy Philippe. Fait. Et qu'il y a laissé directement avec le ministre Affaires étrangères, qui c'est ministre Dominique Dupuis. Madame Dominique, d'où est-ce une décision? Pour une décision pour l'histoire. Pour une décision qui a prêté. Pour le pays, pour vous-même, comme jeune fille. Qui a tout un pays qui a gardé où? L'État pays d'Haïti, dans toute composante li. D'où est-ce une décision politique diplomatique? Fermer frontières, même Jean-Louis Abinadel qui a fait là. Fermer frontières, pas acheter, attendez, pas quitter Haïti, acheter rien, non mais la Dominicanie, jusqu'à nouvel ordre. Et tout nèg qui nan média en ligne, monsieur, si n'a pas parlé pour Haïti, m'a capable de comprendre que, ou capable de position politique qui contraire avec ligne panon. Mais monsieur là, il s'agit de Haïti. Haïti en difficulté, monsieur, que nous tous capables de mettre tête nous ensemble pour nous parler en seule parole. À nous parler pour Haïti. On nous parle pour peuple ça qui péri en Dominicani. Nous tous gon famille en Dominicani. Nous tous gon amis en Dominicani. Nous tous gon proches en Dominicani. OK? Nous tous gon proches en Dominicani. Même gen famille qui vivent en Dominicani qui gen plus passé 50 ans à vivre en Dominicani. Gen pile là dedans yo, yo vinn dénationaliser yo. OK? C'est côté me gen pile en pile monde qui très proche moi en Dominicani. OK? Ça veut dire que je dis, monsieur, haïtien doit connaître que c'est la Kaili qui la Kaili. Li doit tourner la Kaili. Mais pour l'État pays doit voir un message. Moi, ouais, monsieur, gang yo parle. Et barbecue dit Michel Rizier, parle. Moi, attendez, ça barbecue dit. Barbecue dit, li pral, alors travail pour que route Grand Sud lan li ouvri. Barbecue dit que le pral ouvrir Grand Sud là avec Tilapli et Iso, comment il est Chris là, Dumba, et comment il est Nectoison Bio, sous commune Gressier pour comme si pour faire bandi remettre moun yo kayo. Et par conséquent, est-ce que bandi a touri dans zone là? Femme d'amande de barbecue ça touri, ça que bon, femme de capable avec barbecue. Femme d'arrêler barbecue oui. Barbecue soit temps d'émission, on hein? Faut y parler pendant journée non. On faut y parler. Et il faut y parler. Il y a un pile de monde qui. Aïe, 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 monsieur. C'est pas inhumain. C'est terrible. Moi-même, position pas, monsieur, ça qui a passé. C'est où tout haïtien fait un caravane, bec dans le dos, mallette à traîner derrière le dos, et puis direction Port-au-Prince. Direction Palais National, direction Primature, en nous. Éliminer classe politique là. En nous chavirer classe politique là. En nous éliminer classe reste avec politique corrompue. Parce que yon pa ka fè rien. Yon pa ka fè rien. On est qui vole comme Haïti. Kal investi en Dominicani. Li pa ka fè rien. Justin Privé vole comme Haïti. Li investi en Dominicani. Li pa ka parler.
La PC défendre la Dominicanie, mais pour détruire Haïti. C'est ça que l'a fait. Et travaille, ça, c'est job li. André Michel Patare, mais pour Haïti, qui est stabilité. Parce que l'a travaille pour la Dominicanie. Monsieur, dame. Assumez responsabilité. Responsabilité, non. Peuple haïtien qui vit en Dominicanie. En faux bagay. Comme il y a un pile monde qui a parlé, il dit nous bientôt prendre toute son cloche. Gros ami qui dit Johnny Ferdinand font intervention, en dedans de ça Johnny Ferdinand dit. Pour moi, s'il si a un cœur pour l'adresser à l'État ça qu'il te supporte. En regardé. Il est obligé de rester là. Il a vivre à la merci de l'immigration dominicaine ou bien j'ai immigration, ça le fait le faire. Comme ça, tout le monde qui prend courage à deux bras, on a des hommes qui disent au lieu de prendre humiliation, au lieu de frapper, au lieu de battre, au lieu pour Dominique à déshumaniser au niveau ça, il prend route là pour quoi, il décide de retourner la caillou volontairement. Il dit, quel que soit ça, il a le vivre comme réalité. Donc, pour eux même meilleure option, c'est retourner la caillou purement et simplement. Je dis à la, en République Dominicaine, d'après témoignage des Haïtiens que me parle avec eux, majorité Haïtiens obligés de rester la caillou. Qui ont eu un visa? Qui ont pas de visa? Il y a des Haïtiens qui travaillent dans une série d'espaces, comme Plaza, Colmado, etc. Ils sont obligés de quitter la caillou. Ils ont peur à le travail. Ils disent qu'ils ont un espace sur les droits pour les gens qui fréquentent la République Dominicaine. Souvent, qui ont un gros embouteillage haïtien, parfois pas haïtien. Mais ils disent dans ce moment-là, si vous perdez 4 Baptiste, vous paraît là, ou qu'à jouer n'importe quel match de football international. Tellement pas de monde. Et le pire, c'est pas haïtien forcément qui sont papiers seulement, qui ont une situation de peur. C'est tout le monde qui black, une situation qui noyau. Traumatisme. Tout le monde qui noyau en Dominicanie. Qui ont une situation de stress comme ça. Des bougies couleur noire. Ouais. Même sous des légales, ou risque de passer en bas colère dans l'immigration. Ouais. Donc, il vient de faire que, bagaille a allé au-delà même de, on simple question de blanc, dominicain ou bien dominicain qui a couru des haïtiens. C'est noir même qui a passé mauvais moment actuellement là en bas mais immigration dominicaine. Si bien que il y a deux monde jodi a vous retourner soit c'est deux dominicains noirs ou bien c'est des dominicains d'origine haïtienne. Et des dominicains d'origine haïtienne l'ont bien gardé. Faut chercher en pile, pour faire connexion à Haïti. Tellement, c'est dans la République Dominicaine, ils ont ancré, ils ont racine, yo. Mais le fait que c'est noir, mais ils ont pas épargné tout, en bas collet, monsieur, dame, ou bien monsieur, immigration, dominicain, yo, qui vient faire en pile noir, victime tout, dans vague déportation, ça, vous a fait là. Y'a des gens qui voyaient tourner là, on a des hommes, qui pas des pièces contact Haïti. Qui par contre, si pour le monter, si pour le descendre, les rivières sont yon dans trois points frontaliers qui concernent yo. Il y a des gens qui viennent là, ou dans des hommes guerriers seuls, qui ne sont pas même capables de créole même. Oui. Tellement ils sont détachés à la réalité haïtienne. Mais ils voulaient retourner parce qu'ils commettent un seul péché. Parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs. Tout ça, c'est pour vous expliquer à quel niveau que bagarre a même dépassé. Ça, nous-mêmes, nous t'a quoi. Son question de xénophobie, son question de racisme, purement et simplement qu'après l'autre bord. Et, guerrier du seul, notre la parole, notre échange, nous gagnons avec des compatriotes haïtiens. Décision pour déporter haïtiens, yo dit qui sans papier, qui illégal, yo. Dans le moment, ça même, il n'y a pas tard en bagaille innocent. Et si nous comprenons bien, depuis le haïtien prend courage avec deux bras pour initier reconstruction canal irrigation sous rivière massacre. Dominique Ngebola avec haïtien. Luis Abinadel finoué mort fin déchaîné. Eh bien, c'est comme ça. Ça qui passe. Ses amis Justin Briver, qui c'est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Luis Abinadel, Zami Justin Briver,
qui de connivence avec un paquet homme d'affaires haïtien qui ce que nous relé oligarque né qui dans touyer président Jovenel Moïse yo cap investi dans secteur agricole en Dominicani cap voyer vendre Haïti seulement et tout entrepreneur dominicain tout entrepreneur agricole dominicain cap fait pile l'argent parce que 80% produits haïtiens achetés ou bien importation que fait yo yo fait la Dominicani ça veut dire que c'est parti l'argent petit hein bon ba nou bagay ba nou garder cette vidéo encore pour moi dire ça m'a dit nous regardez mais qui jappe maltraite haïtien et puis m'a dit nous qui choy nous voyez ça c'est côté qui relé Aïna c'est côté ou met haïtien yo dans Santo Domingo avant que yo mette sous camion sentien pour déporter vers Haïti regardez ouais je n'ai pas cap shooter regardez coup de bâton coup de pied meni on vient cocorate cap fait ça meni nous est quantité haïtien OK on quitte ça là sur écran fait screenshot et couper petit bout parti bout petit John et puis la gueule en avancer. La Dominicanie qui intérêt ta gagné pour que li pa ta goumen pour Haïti ta retan état ville là. N'a pas avancé. Qui intérêt la Dominicanie gagné pour le pa ta goumen pour Haïti ta retan état ville là. Hein. La Dominicanie gagne deux secteurs qui balle l'argent pour le moment. C'est commerce que a fait avec Haïti et puis secteur touristique là. Secteur touristique là qui vient bailler plus l'argent, c'est Haïti qui fait au cadeau touriste pa yo. Touriste pa là. C'est yo créer condition pour faire Haïti bailler touriste pa yo. Hein, m'en permettre nous comprendre nos bagailles. En 2020 pour arriver 2022, Dominique était pas long à faire de 300 000 visas qui ont été vendus avec Haïtien. 300 000. Haïtien qui, alors 2020 seulement, ils vendent plus, passé 150 000 visas. On nous faut calcul pour nous. On nous faut calcul. 2020, 150 000 visas. 150 000 visas. Dominique vend visa là. Depuis dans le consulat, prix normal visa, c'est 225 $. C'est comme ça qu'il était. Mais par conséquent, il était toujours fort payer $300 pour être capable de venir rapide. Un Dominique Brasso, un Haïtien Brasso, ou bien $300 ou pas rien. Haïtien pas pour ça pas rien, li ba li. 150 multiplié par $300 américains. Multiplié par $300 américains. On garde pour nous, li ba li. Tendez bien, oui. Li ba li 45 millions de dollars américains. 45 millions de dollars américains. Pour visa seulement. On nous dit 150 000 haïtiens ça qui rentrent en Dominicani, l'a checké chaque mois. L'a checké à $20 américains chaque mois. Et haïtien pas descendre vient checker, ou obligé payer $10 avec Calibeto pour Calibeto checker pour ou payer $10 frais. On a le fond calcul. Puis il y a de attendez. La Dominicani son cob l'a fait. La fait comme la, pas vle nous prendre avec comme la, mais la humilie nous, pour nous parler de humiliation, mais nous réfléchir avec quantité l'argent qu'a fait là. On avance. 150 000 haïtiens, multiplié par $30 chaque mois. Écoutez, chaque haïtien chaque mois. $30. Li baye 4 500 000 dollars américains. Chaque mois. 4 500 000 dollars américains. Qui haïtien ou checké, qui rentre dans. Service immigration dominicain, 4 500 000 dollars américains qui rentre pour 150 000 haïtiens seulement. Mais par conséquent, chiffre supposé double. On nous dit c'est 4 500 000 dollars américains multiplié par 12. C'est 12 fois checké et puis visa fini. Multiplié par 12. Liba est 54 millions de dollars américains que Dominicain fait dans service checké sous frontière seulement. N'importe et dans l'immigration. Et mais le chiffre ça vient arriver en 2022, il vient doubler. 2023, il vient doubler, et bien vient plus passer 300 000 haïtiens qui ont un visa en Dominicani. 300 000 haïtiens qui ont un visa. On nous prend 300 000 haïtiens. 300 000 haïtiens, ok? On nous dit 300 000 haïtiens multiplié par $300 américains. Libaye 90 millions de dollars américains. Que Dominique fait dans 20 visa avec Haïti. 90 millions de dollars américains. Aïe, 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 monsieur. 90 millions de dollars américains.
On nous dit c'est 300 000 haïtiens ça qui pral checker 300 000 haïtiens ça qui pral checker sous frontière chaque mois. Un exemple, allez pour 2024 là, il pas visa. Entendez. On nous dit c'est 300 000 haïtiens multiplié par 20 dollars américains chaque mois. Alors 30 dollars parce que l'envoyer checker calibre tous touché 10 dollars frais. On nous dit c'est 30 dollars. Il baille 9 millions de dollars américains chaque mois. On nous dit c'est 9 millions multiplié par 12 parce que c'est 12 mois. Ça baille 108 millions de dollars américains chaque mois. Pour une année. On nous dit pour 3 ans. Multiplié par 3. Libère 324 millions de dollars américains pendant 3 ans que la Dominicani fait dans check ou cap fait dans et consulat yo. Alors dans immigration, l'on apprend rentrer en Dominicani. Qu'on y a un fond calcul encore. Quel chiffre ça yo oui? Haïtien qui rentre en Dominicani. En nous dit sorti 2020 pour arriver 2023, gagné 300 000 haïtiens qui rentre en Dominicani. A visa dans main. A visa. Haïtien sa ou le ou rentre. So konek passe. Genye 300 000 haïtiens qui a la fèmé ka en Dominicani. Mais tout ka en Dominicani pas de cher. Le haïtien rentre en Dominicani. Kote mouè ka en Dominicani pas de cher. Gon kote krele. Ciudad de Wambosh. Se sou route l'opra ale Boca Chica. So résidentiel que Dominicain fait. Pour louer avec Dominique qui travaille dans la factory, pour vendre Dominique qui travaille dans la factory. Son projet qui a commencé en 2010, il a gagné un pile appartement. Mais, pas oublier, Chamio Papa, et l'impression, c'est 2 mètres carrés liés, chaque coin. Il a dit, ou mettez un cabane dans un petit coin, tout paraît espace encore. Il n'y a pas de cabane. Il a dit, un petit cabane petit, ou tout paraît chambre encore. C'est comme ça qu'il a fait pour Dominique qui travaille dans la factory, qui n'a pas de moyens. Mais sauf que, yo mette tout service yo disponible. Yo mette de l'eau, li gen courant 24 heures sur 24, li gen commissariat pal ki pou sécuriser zone nan, li gen caméra dans tout petit axe, dans tout petit angle, dans tout petit coin en dedans. Li gen market pal, li gen service pompier pal, OK? Li gen tout service que yon ville doit gagner. Li gen tout service que yon ville doit gagner. Li gagne moun ki disponible kap ramase fatra. Tout moun bagay sa disponible net 24 heures sur 24. Dominique traite peuple li tan kou moun. Yo traite peuple yo tan kou moun. Eh ben an aloué. Haïtien yo a la fèmè kay nan zon sa. O Dominique yo te kon paye kay lan 5000 pesos par mois. Yo paye yon ti appartement. Le haïtien commence à arriver, li monte 10 000 pesos. Mais prix pa dominicain pas vraiment changé. Haïtien commence à débarquer, li monte 12 500, qui c'est 250 dollars américains par mois. Haïtien commence à arriver, li rive 15 000 pesos, qui c'est 300 dollars américains par mois. Haïtien a débarqué, li monte 17 500 pesos, qui c'est 350 dollars américains par mois. Haïtien commence à arriver, les dollars américains étaient presque 50-50. Et ils ont monté 20 000 pesos, qui c'est 400 dollars américains par mois. En avance, quand elle a 400 dollars américains, on nous dit, haïtiens, 300 000 haïtiens. Pardon. Et bien, quand Dominicani, on nous dit c'est 200 000 qui a fait mes cailles. Et puis l'autre 100 000 l'envie de vivre avec l'autre monde 200 000. On nous dit 200 000 haïtiens a fait mes cailles en Dominicani. 200 000. Il a payé cailles 400 dollars américains minimum. Minimum chaque mois. Qui c'est 20 000 pesos. TH Anarit Masselin. On nous dit c'est 200 000 haïtiens. Moi, je fais cet exercice pour nous comprendre. Si que Haïti gen la paix, gen stabilité, pour montrer nan ki niveau que diaspora haïtienne nan capable investi, l'État a créé condition nou ka attirer
investisseur la caille nous ka invité investisseur venir investir la caille nous et puis comme si n'a construit haïtien a travaillé la caille et puis haïtien comme ça prêter la caille. Nous c'est 200 000 haïtiens qui a fait mes caille pour 400 dollars américains chaque mois. 200 000 400 dollars américains chaque mois. Li bayon total de 80 millions de dollars américains qui rentrent dans l'économie dominicaine chaque mois. Compte comme ça sorti. Li sorti dans diaspora, li sorti États-Unis, Canada, la France, la Guyane française, l'autre pays, mais majorité comme la sorti États-Unis. Pour voyer bay haïtien en Dominicaine. Moun ki a fait mes kay pour 1000 dollars, 2000 dollars américains par mois, c'est monsieur Petionville, monsieur oligarque avec politicien. Nèg sa nous pas compter yo parce qu'il a fait mes cailles dans grand plessio dans Piantini dans Churchill dans sous 27 côté cailles fait mes chez yo on pas parler de communauté pam nan et qui a pas fait mes cailles 20000 pesos là qui habité San Isidro la Samelicas qui habité et Boca Chica qui habité on série des zones dans Punta Cana Igwe Babalo La Romana comme si Santiago Sosua Puerto Plata on pas parler de zones ça yo alors m'a parler de zones ça yo chaque mois 80 millions de dollars américains, 80 millions de dollars américains, ok? 80 millions de dollars américains. Qui a rentré dans l'économie dominicaine chaque mois. Nous, pas dominicains, à prendre appartement à coupoul, à construire appartement à coupoul, pour qu'est-ce qu'on a construit? Pour haïtiens. Haïtien a construit appartement pour Haïtien vin a fermé nan men yo. Et bon, comment ça passe? Multiplier ça, allez bien, oui? On nous dit, c'est 80 millions de dollars américains multiplié par 12. Qui c'est 2020 multiplié par 12. Dominique fait chaque année dans louer Haïtien appartement. Pablié, il n'y a pas de même prix avec États-Unis. Il y a un appartement qui a pris un appartement qui a payé États-Unis. En Dominicaine, il y a une zone pour ça. En nous rete dans sa basique là. Dominique fait 960 millions de dollars américains chaque année dans la classe en bas. Dans Boca Chica, Sosua, Puerto Plata. On sait des zones que nous n'avons pas fait mes cas 20 000 pesos. Il y a fait 960 millions de dollars américains chaque mois. Ça, c'est monde qui investit dans l'immobilier, qui fait comme ça. Maintenant, pour Dominicain, qui, alors pour l'État dominicain lui-même, la vente courant. Bon, montrez-nous, 300 000 Haïtiens. 300 000 Haïtiens. A fait Mikaela. On nous dit, oui, voilà, m'a 200 000. On nous dit, c'est 200 000 Haïtiens qui ont payé courant. Par exemple, pardon, capital, petit courant payé par mois, 1000 à 1500 pesos. On nous mette 1500 pesos parce que, moun yo chita la ka en pile, yo use courant, yo gade télé, yo use 30 dollars courant chaque mois. On nous dit c'est 200 000 haïtiens qui achetaient 30 dollars américains dans 30 dollars américains courant dans l'État dominicain chaque mois. Multiple, 200 000 multiplié par 30. Li bay dans l'État dominicain, li bay 6 millions de dollars américains. Qui dominicain fait avec communauté haïtienne dans 6 millions de dollars américains. À 30 dollars américains, ça veut dire m'a parlé haïtien dans kay qui pas use gros courant hein, pour business yo. Gen gros comme c'est gen club restaurant bla 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 comme si ça c'est gros comme 50 000 100 000 pesos courant c'est qu'on s'allie. Yo fait 6 millions de dollars américains chaque mois. Son comme qui rentre qui part là. On d'accord avec moi? On nous dit 6 millions ça chaque mois multiplié par 12. Li bay 72 millions de dollars. Alors, on nous dit 200 millions, bah, moi, prenez encore, on va faire un chiffre, parce qu'on va les pêcher. 6 millions multipliés par, et 30 dollars, les bails, et 200 millions, alors, 200 000 haïtiens multipliés par 30 dollars, les bails 6 millions de dollars américains par mois. Et 6 millions multipliés par 12, qui c'est 12 mois,
li baye 72 millions de dollars américains chaque mois. OK? Est-ce que c'est ça? Et de me garder chiffre là si m'pas péché. 72 millions de dollars américains chaque mois pour yon l'année. Pour 3 ans, 2020 ou bien 2019 pour arriver 2023, nous dit 2020 pour arriver 2023, multiplié 3 ans, multiplié 3 multiplié par 72, là. Li baye 216 millions de dollars américains pour 3 ans. Qui Dominique fait dans courant. Ça veut dire m'a parlé au basic là, on prend petit chiffre qui pas gros du tout pour pas exagérer. Tout ça n'a pas gardé là, nous ca mettez nous loter tout prix ça ensemble. La Dominicanie a fait pour haïtien qui sorti en Haïti, qui rentre en Dominicanie, qui a fait mekay, qui mettez visa, qui a payé courant pour faire mekay, mettez visa, payé courant, trois parties ça, la Dominicanie presque fait 2 milliards de dollars américains dans ça seulement. Pendant 3 ans. Il presque fait 2 milliards de dollars américains. Vous comprenez bien? Quand il y a ça qui s'est passé, l'argent mangé à pas cob. Devant ni cob kaila, devant ni cob courant. L'argent mangé à pas rien. Pour Pipiti Haïti, il s'est dépensé 6 à 700 dollars américains pour manger par mois. S'il pas gaspiller. S'il pas fait gagote, la protéger famille qui a supporté là, l'a dépensé 6 à 700 dollars américains par mois pour manger. Parce qu'il faut qu'il paye Uber, faut qu'il aille faire maquette, faut qu'il paye un taxi pour aller chercher comme là, non transfert, faut qu'il paye taxi, faut qu'il achète une maquette là, après ça, faut le payer taxi pour le rentrer, faut le payer de l'eau, faut le payer internet. Tout ça, c'est gros l'argent. Est-ce que nous là? Tout ça, yo, c'est gros l'argent. Tout ça, c'est gros l'argent. OK? Tout ça, c'est gros l'argent. Que la Dominicaine a fait sous Haïti. Et ça pas comme devant comme qu'a fait yo. Devant l'argent qu'a fait, ça va l'argent. Et bien, dans le transfert, Dominicani te ba un bilan quantité l'argent que Haïtien rentré dans transfert la Kaili. Yo te parlé pour Haïtien seulement 2022. Pour Haïtien seulement yo te rentré 2.9 milliards de dollars américains qui te rentré dans transfert pour Haïtien seulement. Pour Haïtien. Ça veut dire que Haïti c'est poumon économique la Dominicani. C'est poumon économique dominicain Haïti. Que nous la bina de la France. Mais ça joue à du fait. Haïti t'a supposé exploiter ça bien de l'affaire. Il t'a supposé un privilège pour nous exploiter ça. Parce que ça t'a supposé comme si Nadjou, il y a un plus gros privilège pour nous utiliser ça, pour nous tout faire ça l'affaire avec lui Sabinadel. OK, nous pas battre avant, nous pas jouer avant, nous pas goumer avant, mais sauf que ça qui est important, on va le montrer que nous important. Et c'est Abinadel, c'est peuple haïtien capable faire ça. Nous avons montré que nous sommes importants en pile. Et nous sommes capables de prendre toute disposition pour que nous fassions ça. Nous avons montré que nous sommes extrêmement importants. Et c'est nous seulement comme peuple souverain qui sommes capables de faire. OK? C'est nous seulement comme peuple souverain qui sommes capables de faire. Nous avons montré que nous sommes importants. Ça, c'est nous-mêmes comme peuple. Mais maintenant, nous arrivons dans la phase côté que nous pas qu'à quitter ça continuer sans que nous pas faire rien. Bon côté, l'état pays d'Haïti pas rien qu'à faire parce que nous prouvé que yo pas qu'à garder Abinadel dans les yeux parce que pas oublier. Majorité nèg dans l'état pays d'Haïti minimum yo gon on caille que yo acheté en Dominicani, nèg dans l'état yo. Yo gon caille que acheté. Et tout nèg qui t'est passé yo, ancien président, ancien ministre, ancien directeur général, yo gagne un appartement, yo gon investissement. Nèg par exemple Jean Risséan, c'est nèg qui a investi des millions de dollars américains en Dominicani. Gros l'argent, Jocelyn Privé, c'est nèg qui investit des millions de dollars américains en Dominicani. Comment on peut demander Jocelyn Privé pour le fond tweet pour le dire que ça a passé à l'grave. Par conséquent que Jocelyn Privé a vive à Dominicani pendant que Haïti pas et la Dominicani pas ouvert pour haïtien, mais Jocelyn Privé son VIP que lié oui. Gouvernement dominicain connaît Jocelyn Privé qui rentre sorti oui en Dominicani. Li connaît le gain rentré sorti oui. Est-ce que d'accord avec? Li connaît le gain rentré sorti oui, mais par conséquent,
haïtien campé a garder nèg ça ou k'ap vinn faire politique k'ap vinn parler politique lè ou vini ou jeune journaliste a bay au micro ou ancien président ancien sénateur Justin Privé tel bagage ou après journaliste vicieux corrompu gang sale voleur a bay au micro pour vinn faire vendre peuple comme moun y a vendre peuple là comme moun ça k'ap passe en dominicanien ou après que politicien pas capable de ça ou après position madame Dominique Dupuy prend contre ça qui a passé haïtien en dominicanien ou après que Leslie Voltaire qui vient dans tête coulève cette tête là qui remplace Edgar Leblanc fils là ou après que Leslie Voltaire pas capable parler il pas capable dire rien ou après que nèg qui dans secteur privé pas capable parler parce qu'il aurait investi l'argent en dominicanien ça qui a passé haïtien pas mine rien pour yo est-ce que nous capable quitter ça continuer non moi me dis ça pas continuer et faut qu'il y ait des dispositions qui prend pour nous gérer dossier ça. OK. Guy Philippe montre que li gen volonté réelle. Guy Philippe montre que li capable font bagay. Guy Philippe montre que avec lui même nous ka sorti dans ça que nous devons nan. Maintenant et peuple haïtien. Nous konn sa bon pour nous. Guy Philippe bon schéma. Ou senti en dan monsieur go bagay que l'envie offrir Haïti. Aïe aïe monsieur. Ou senti en dan Guy Philippe Gombay qui l'envie offrir Haïti. Mais il dit c'est ou même comme peuple là seulement qui capable faire délivrer bagay ça. OK? En dedans ou sentir Gombay qui l'envie fait. Mais ou même pour qui sont été bois croisé. Bois regarder ou pas faire rien. Faut qu'on font bagay, ou qu'on font bagay. Parce que nous mériter font bagay et nous en position pour nous font bagay. Nous en position de force comme haïtien. Jodi nous ka mette Abinadel à genoux. Il me dit nous ça très bien, nous ka mette Abinadel à genoux. Il est clair. OK, nous ka mette la genoux. Il est très important pour que nous fait ça. Et hier gagné gouvernement haïtien et il me dit bravo, ministre des Affaires étrangères premier ministre, il était porté plainte dans l'OEA contre Abinadel. Et l'OEA était convoqué te yon réunion en urgence, eh ben, pour que yon te parle avec la Dominicanie. Réunion faite, ça pour dire ou dit, nous tende, nous comprenons. Mais par conséquent, et pas ça seulement, nous besoin. Un, pouvoir politique là doit reposer en action. OK? Pouvoir politique là doit reposer en action. L'important. Nous prenons le temps de leader charismatique là, qui c'est ancien sénateur Guy Philippe, non seulement sous sa cap passé la Dominicanie, et annoncer sa cap passé dans le pays. Parce que Guy Philippe, c'est lui-même qui est leader, c'est lui pour nous tendre. À travers lui-même, nous comprenons plus le bagay. On a le temps de ancien sénateur Guy Philippe. So, ça qui a passé. Et, bon, mal mettre pour nous. Comment a Guy Philippe parlé, parce qu'il me dit ça très bien. Je dis, on suppose chercher. Tandis, et ça qui m'a demandé, nous partager mission pour nous, tant pis. Le jeune n'y partage le pas qu'un bel pour vous, parce que vérité a fuck qui parle. Nous prenons le temps d'en ce sénateur Guy Philippe. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur pays, ça, qui l'a caillé. On va convoquer, on va mettre le regard dessus. Attendez, oui, attendez bien. Attendez, Guy Philippe. Attendez, premier, ça, Guy Philippe dit. La première intervention, attendez, ça, le dit. On va rectifier ça, faire, ou mettre au dessus. Il y a humilié, puis comme ça. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur pays, ça, qui l'a caillé. On va convoquer, on va mettre le regard dessus. Si on va rectifier ça, faire, ou mettre au dessus. Ou déclarer le personnel non grata, on mettre le dessus. Ouais, parce que Dominique gagne plus pour le perdu. Dominique gagne plus pour le perdu tout. Oui, non, on lutte avec Haïti. Il gagne plus pour le perdu. L'économie, on va dépendre de nous. Oui. Ni dans la construction, ni dans la bagaille qu'on a importé pour nous consommer la bagaille. Et toi, quand ça a importé dans la République Dominicaine, nous, qu'on a produit en Haïti, oui. Si, faut prendre responsabilité. Regardez ça qui a passé Saint-Domingue là, je dis à la maman qui mène les petites à l'école, et puis immigration pour maman, et si nous, petit à l'école. Qui est-ce que j'ai dit, mon zao? Comme ça, c'est comme ça, c'est mon débat de vie. Moun qui sorti kal travail qui était et madame ou bien mari ou nan kay, petit ou nan kay, immigration pour nous, c'est nous-mêmes y aller. Et n'a qu'on fait la plaisanterie.
sous toute vidéo, sous toute bagaille, nèg yo a fait la chasse à l'homme. Et bien, haïtien a couru. Haïtien tout partout, a volé tête nuit. Nèg yo passé dans la blou. Bon, c'est que faut haïtien, quel genre qu'on est là, vivre, le bagaille ça yo, faut qu'il indigné. Et comme il indigné, faut qu'il prenne décision pour voir qui vient pour le faire payer, vivre un plus bon moment. Pas il y a trop difficile, faut que nous changions. Et pour changer, faut que c'est nous tous qui mettons nous là-dedans. Ça va passer ces domaines, c'est une garde pour sonder. Des nègres, des bandits, allez prendre amis, tuer plus que 70 mounes dans la localité, dans petit côté. 70 mounes contre l'État. Pendant ce temps, t'as dit, nègres, nous, c'est parti, c'est voir pied, c'est bagaille. Côté ministère Affaires étrangères, nous, quand le président Edgar Leblanc t'a parlé de Dessalines dernièrement, moi, je pense que l'État, c'est un rôle, président Edgar Leblanc. Qui se parle, j'en ai parlé dans l'ONU, soi-disant, mais Haïti parle de Dessalines, de l'histoire, même dans même la invité pour venir dans le pays. Mais au moins, il a fait ministre Affaires étrangères, il a convoqué l'ambassadeur dominicain et déclaré une personne à non grata et balle 48 heures de politique de pays. Wow. C'est pas normal pour faire haïtien passer, ça fait le passé là, en République dominicaine. Maman qui était sur l'école, yo prend maman. Il y a le travail, yo prend yo. Yo quitte toute famille, yo. Tout ça, on est bien, tout si bien, yo. C'est pas normal pour traiter ton peuple comme ça, et puis nous-mêmes comme dirigeants, nous avons gardé. Ouais. Donc c'est deux voix. On dame, yo déporté là, yo déporté on dame là, à un petit bébé, trois mois. Un petit bébé, trois mois. Dame, flé la famille. J'ai la gueule dans mon monde pour l'aller. Son mari qui est petit bébé, trois mois. Et grave, si bébé toi, c'est parce que l'État nous absent et qui cause situation ça, il va présenter dans la communauté haïtienne République dominicaine. C'est n'importe quoi, t'es sérieux. Il y a humilié, puis comme ça. Premier bagage, on va convoquer l'ambassadeur pays, ça, qui l'a caillé. On va convoquer, on va mettre le garde et si on va rectifier ça. On a des sénateurs. Ou mettre le dehors, ou déclarer le personnel en garde, on mettre le dehors. Ouais, parce que Dominique gagne plus pour le Belge. Dominique gagne plus pour le Belge du tout. Oui, non, on lutte avec Haïti. L'économie va dépendre de nous. Oui. Ni dans la construction, ni dans la bagaille importée pour nous consommer la bagaille. Oui. Et toi, quand ça importe dans la République dominicaine, nous avons produit en Haïti. Oui. Tout nous c'est parce que le gouvernement n'a pas de volonté politique pour faire Haïti jouer une autosuffisance alimentaire que nous avons besoin, que nous cherchons, que nous devons. Donc, bagaille, ça va être signé. Donc, nous avons dit que le 17 octobre, là, c'est pas un mouvement, c'est un mouvement. Peuple haïtien, pour lui. C'est nous tous qui pouvons encourager, mon yo, sortir. Si tout le monde est de la caillou, il y a peut-être une belle merveille, il y a peut-être une brigade, rien n'est pas fait. Mais si nous tous prenons la vie, nous pas mes changements. Nous forçons les changements à faire. Ouais, la fête. Mais faut que c'est haïtien qui accepte, prend responsabilité, yo. C'est pas chita, ou parler, voler TikTok, voler bagaille, et faire belle commentaire, dire, mais maintenant, pays a la bouche. Mm-hmm. Je dis à pays, il y a besoin de sacrifice petit. Je ne crois que c'est Haïti qui est mauvais maman. Ça, ou bien son maman qui est mauvais vent. Et sénateur, c'est un point. Nous avons pour nous débattre après-midi via les relations. Nous connaissons, nous sommes monde qui développe de très bonnes relations avec la République dominicaine, bien que ou beaucoup. Alors, Edgar Simon, plus 509 4440. Et c'est pas au même cap dirigé qu'on y a, pas une grande chose ou capable de faire dans ça. Donc, est-ce que, et selon même l'État, pas capable de chercher une solution et à la situation ça? C'est-à-dire, pour joindre une possibilité pour Haïtiens qui en République Dominicaine, joindre une possibilité pour rester légalement sur le territoire. Est-ce que deux gouvernements, yo, pas capable de mettre ensemble pour chercher un plan comme ça? Moi, toujours pensé que nous deux, avec nous, il l'a fait pour attendre. Nous avons une grosse force économique dans le Caraïbe, qui est bon pour nous tous. Mais il faut qu'il fasse dans le respect. Il y a un affront qui fait aujourd'hui à la peuple haïtien. Ça qu'il fait là, son affront. Pour les haïtiens, ils vont traiter, ils vont courir derrière eux, et puis ils vont dans toute bagarre, ils sont affronts liés. Je pense qu'il faut que l'État haïtien prenne responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères a supposé convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Supposé et obligé. Et ensuite, pour nous, aujourd'hui à la, comment nous avons rectifié ça? Comment nous avons corrigé et ça, par exemple, nous avons fait encore? Nous connaissons bien plus jeunes garçons, jeunes femmes, nous, qui ont étudié là-bas. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de capacité. Signal là, à Haïti pour le signal. Donc, nous vivons que nous n'avons pas de capacité pour nous-mêmes, nous qui avons recevoir étudiants, ça, on pense que c'est ça, sénateur, pas dit, sénateur, là? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, m'a dit. M'a dit que chaque fois, nous, comme, qui rentre dans le pays, pour aider nous, pour nous investir dans le développement durable, voler le gouvernement avec complicité, ambassade américaine et l'autre, prends tout comme là. Gardez le débat que vous faites, par exemple, avec l'argent coopératif. Vous prenez tout ce qui est classe moyenne, tout ce qui est nous, vous prenez, vous volez, et vous ne pouvez pas dire rien. Gardez ça qui passe avec Pedro Caribe. Gouvernement privé, la gouvernement atelier, gouvernement privé, volez tout. C'est comme ça. Ça vous fait avec. Vous ne pouvez pas plaider jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne. Mais vous avez montré qui ça vous fait comme ça. Moi, toujours dis là, il y a un problème de sécurité. Mais c'est un problème qui a résolu dans 90. N'importe qui, genre.
en état sérieux, de volonté politique, avec force que nous là, force nationale, police, l'armée, des SAP, nous avons crasé le phénomène d'insécurité en 90 jours. Si bon gouvernement sérieux, de volonté politique pour faire. Mais il va faire, il va faire. Et stabilité à bon bout, monsieur. Monsieur, c'est pire, il y a besoin de pays, c'est sous-sol, oui. Tout quand on a fait mon déplacer, il va quitter mon retourner encore, non? Parce que ça qu'on battait assez, il y a besoin de voler. N'est-ce qu'il y a besoin de fonds constitution sur mesure de quoi faire après et leur définition occupée Haïti? Après première occupation, des fonds constitution sous monsieur de météo, qu'on y a besoin de fonds constitution pour l'égalité dans le pillage, je préfère sur Haïti. Et peut-être tout le matin, c'est pire, il y a besoin de piller sous son nom. C'est ça, il y a besoin de changer constitution pays, changer loi pays pour venir voler. Donc, je dis qu'avec force nationale, nous sommes capables de contrôler le phénomène insécuritaire. Et dans 90 jours, l'évolution de la sécurité totale dans le pays. Dans 90 jours, pourquoi le pays est capable de garder un souffle dans la question de la sécurité? Moi, si bon gouvernement, qui a une volonté politique qui vous fait. Parce que, on ne peut pas changer rien. On ne peut pas faire une révolution sous le pouvoir politique. L'évolution a vraiment commencé lors des pouvoirs politiques. Tout le monde a fait là, ce qu'on a fait pour nous pouvoir et pour nous faire l'évolution. Faire l'évolution. Mais je pense que dans 90 jours, sénateur, ensemble de monde que les États-Unis, le Canada, c'est donc même la France, est sanctionné, je pense que c'est principalement ça que tu as dit avant, parce que c'est notre sorte de principal fournisseur et groupe armé. Et par la suite, pour commencer à mettre mes dans votre cas, les cas de problème dans le pays. Si nous voulons vraiment recharger du pays, il faut que nous comprenions tout. Que c'est l'ambassadeur américain, américaine, Canada, la France, qui souffre instabilité et insécurité en Haïti. Donc il n'y a pas aucune qualité morale pour faire les sanctions des monde si on va mettre tête là-dedans. Le problème de sécurité, c'est nous qui avons résolu. Nous avons dit que nous avons et j'aime toujours dire, délinquant à cravate, il y a plus de joueurs que délinquant à cravate. Nous comprenons ça pour nous faire. Nous avons fait, mais c'est Haïtien qui a fait. Donc, sénateur, je pense que sénateur, vous parlez en connaissance de cause. Et that's why, vous toujours ayez un dialogue dans le pays. Donc, de toute façon, il faut arriver dans le dialogue. De toute façon. Tout même bon, qui désordre, vous faites là actuellement. Il n'y a pas attaqué Berlin avec Delmadé, vous faites un mois à attaquer base, Berlin avec base barbecue. Pendant ce temps, il y a deux, trois graines, dix nègres là-dedans, qui caponnent, qui prend un bateau, qui descend dans le nid, dans le gradus, à tout gros avion. Et au sûrement on fait dans l'autre zone. Est-ce qu'on a qui ça n'a créé là? Au lieu de seule fois, il y a une sécurité réelle dans le pays, qui c'est pas au moins, et peut-être un petit parti dans la Timonite, qu'on a chaque grain de section communale dans le pays, où il y a une chance pour le bon foyer gang là-dedans. Parce que pendant faire attaque ça, il n'y a pas mettre aucune disposition sous la mer pour fouiller tout le bateau. Tout le monde a sorti, tout ça. Qu'on a des âmes gangrenées dans toute zone. Wow. C'est extrêmement triste. Donc, nous gagnons suite avec question. Donc, on mène Ederson supposé. Quand Gary Kone qui continue à chercher aide. Mais nous remarquons qu'on jouait en fait. Chaque pays qui peut mettre, qui promet tout l'aider, il y a voué pour 200 policiers. Et là, c'est pour ça, Patrick. Mais tout ce qu'on a fait là, c'est pour l'élection américaine qu'on a fait en novembre. N'est-ce pas nous aider, nous pas aider, non. C'est nous haïtiens pour payer une sécurité. 200 policiers. Donc, on dit là, dans la Tibonite, il y a un problème. Il y a du, donc, deux, trois grands policiers passés à la Tibonite. Actuellement, ça veut dire, si nous voulons envahir Port-au-Prince, il n'y a pas de monde Port-au-Prince. De toi, il y en a la Tibonite. Donc, nous avons même Salvador. Salvador, donc, ça le promet pour le bon 80 policiers. Cher moi, tous ces jouets là, c'est parce que le peuple, nous, on va pas respecter le peuple. Nous avons accepté toute bagarre qui vient de nous passer dans la boue comme ça. Force haïtienne, cap by sécurité. On met quoi dans ça, nous là? Si il y a volonté politique, force haïtienne, cap by sécurité. Next, on va nous faire un lac et font des agents, font bagaille, font carrière dans bagaille onusienne, et puis vous faites petit comme nous. Nous ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas venir pour nous. Nous ne pouvons pas venir pour nous. On attend nous. Il y a un secret tank, par exemple, soi-disant. Pour vous, ça ne peut pas faire un couloir pour machine qui a basé de Port-au-Prince à l'an sud. Ou bien pour machine qui a basé de Port-au-Prince à l'an nord, à l'an plateau central. Qui ça empêche que les gens quittent la circulation faite dans le pays? Mais pas de volonté politique. Sénateur, et pas de volonté à aller dans plusieurs sens, parce que si vous voulez Haïti, moi suivre plusieurs équipes, monde qui gagne des âmes dans le pays, vous dites pas pour mettre des âmes dans le monde qui débat aux âmes.
Et c'est ça qui fait un pile nèg yo qu'on attribue au di ou c'est fanatique gang yo parce que nèg yo di yo même si sénateur qui Philippe Bini yo gon moun ki ka retire zam sa nan men yo et puis ba yo travail gon moun ki ka vini retire zam sa nan men yo et puis voye à l'école ba yo métier donc c'est ça mais en pile monsieur qui a exam d'ap suivi nan bon naïf m'ap suivi nan même dans la Tibonite là côté qui des massacres ça fait là ça veut dire si communauté internationale là c'est un monde qui était derrière la paix qui ont été le changement dans pays d'Haïti. J'ai l'impression d'après entrer dans une sorte de communication ensemble avec vous et puis chercher à mettre la paix dans le pays. Parce que le problème. Il y a pas de gens, Fiel. Un bon bagage qui est dans moi qui fait que la communauté nationale n'a pas de parler. Moi, je suis en Haïti. Et vous ne parlez pas de ça. Non. Je ne parle pas de moi en Haïti. Donc, oui, il faut que vous parlez avec vous. Oui, vous parlez avec vous. Et d'accord avec vous, vous pouvez mettre mon Dieu dans vos âmes. Il n'y a pas de bâle, il n'y a pas de confiance. Il connaît, ou fin d'arros amenant, il connaît tout ce corps, il y a tout. Moi, je me bats là quand même. Il n'y a pas de bâle là, non? Il n'y a pas de gang, il n'y a pas de prison. Par contre, il y a des gens qui ont dit de gang. Par contre, il y a des gens qui ont dit de gang, il y a kidnapping pour moi parce que je me bats là. Tout le monde connaît me bats là, je suis en prison. Donc, dès lors, il y a des qualités morales qu'on a pour me parler, pour me dire, mais si j'en pense, c'est le plus bon. Pour me faire, pour me sauver Haïti. C'est ça que je donne sens à ça qu'on vient dans la Tibonite là aujourd'hui. Donc nous gagné équipe gang Zaro qui était dans sa vie mais il te dit clairement qui moun qui ba aux âmes et là on dit qui moun qui ba aux âmes et puis puisque on parle causé à même moun qui ba aux âmes nan amé yon l'autre équipe moun par en face yo c'est ça dit je dis ouais gang bataille gang cravate gang sapate exactement donc gang bataille à gang et je dis là mais ça le ban nous non profondé li ban nous 60 plus que 70 moun et bien assassiné non seul jour qui saga reconni fait un cadeau li fait un cadeau sympathie et puis il prend avion là le Dubaï là et bonjour et bonjour hélicoptère ouais on t'a pas une gars reconni hier son hélicoptère qui là pour aux états. Et pour un hélicoptère, la gare militaire, la gare qui a fait opération police. Ouais, aux États. Ouais. Non, ouais, non. En plus, nous disons hélicoptère à avion. Son hélicoptère 25, 26, mon nom, ouais. Mais c'est pas qu'il y a une opération militaire qui a fait. Non, il n'y a pas la boule militaire qui a fait. Ouais, donc. Il y a des ailes, mais il y a des oiseaux. Allez, il descend. Oui, il y a des oiseaux. Bon, sénateur, on va parler des questions. Ça, me rappelez moi, et selon. Ancien ministre de la République, là, Nader, il devait connaître qu'il y a un mandat d'ailleurs. Est-ce que vous ne pouvez pas parler là pour nous connaître comment la justice là, c'est dans le pays d'Haïti? Est-ce que vous ne pouvez pas vous parler un deuxième mandat par rapport à la position au point de la pays là? Beaucoup de gens ont un gouvernement en Haïti qui va mettre mandat d'ailleurs pour complot contre la sûreté de l'État. Chaque fois, nous dénonçons un bagage. Moi, dans le pays, il y a toujours un mandat complot contre la sûreté de l'État. Je songe, président Matéli, le président, tout le monde dit, c'est ça, Midi Philippe, Midi Philippe. Nous faisons des manifestations pour copier le Caribe, pour copier le volet, pour faire ou Jérémy, il y a un bon mandat. Moi, je n'ai pas un mandat complot contre la sûreté, non, comme, non? Parce que je n'ai pas un droit, au monde, je n'ai pas un droit à Haïti, au monde, je n'ai pas un défendre ça pour défendre le pays. Il y a un bon mandat. Ariel a eu un bon mandat, 4 février, là. Et c'est le ministre de la Palais, là. Il y a un bon mandat complot contre la sûreté de l'État. Moi, même arabe, vous voyez, Jean, et il y a un bon mandat. Qui m'a fait complot pour me caser l'État. Et Ariel Henry. Pas de quel est le monde qui a mis le gouvernement ça. On peut dire ça sur Chanel NPH. Quel est le monde qui a gouvernement ça. Donc, Ariel Henry a mis dans le côté machine. Boulet d'arri, crasé dans reconstruit, il va mettre un bien dans le mandat parce que c'est le système dans le travail. Sénateur, où tu vois qu'il faut la manoter? Donc, ça veut dire que dans moins que 3 mois dans le pays, nous avons sécurité pour nous sortir Port-au-Prince dans le nord, Port-au-Prince dans le sud, pour sortir Port-au-Prince dans le centre. C'est ça que vous voulez dire. Ça veut dire dans moins que 3 mois, nous avons gagné sécurité. Ça. Donc, est-ce que le peuple haïtien a besoin en pile sécurité ça? Quelle stratégie nous qui t'a utilisé pour une sécurité ça? Même sous pas technique yo. Qui ça fait quel possible pour ça? Dans moins 90 jours, Jean pays là en cabale, les cas cool pour mon fonctionner là-dedans. Bon, avant de comprendre le phénomène insécurité en Haïti, faut comprendre le phénomène social là. Pays, c'est la misère des pays à côté de l'air. Mais on a dit oui, la Haïti était toujours dans le groupe, on a dit on a dit ça. Misère extrêmement a toujours bon résultat, ça. Sous pas au gouvernement, qui a des premiers jours, on va dire clair,
la corruption dans le crasé dans tout niveau, ni dans le secteur privé, ni dans l'État. On a toujours une sécurité. Parce que si on est dans le quartier populaire lui-même, l'État n'a pas jamais eu sous lui, pas dans l'école, pas dans rien, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé, il n'a pas mangé. Et pour dès l'État qui mette dans l'État de vulnérabilité, ça, qui détravaille sous les balles et 11 âmes, avec un petit corps, il dit, il a fait tel bagage, qui tape tel bagage, il a fait, parce qu'il a misé. Donc nous-mêmes, comme l'État ne travaille pas, nous fait au niveau social, et puis, avec force coercitive, la police l'a mis pour longer les barres. Ça veut dire, bah, ça, moi. La bonne amnistie. Moyennant que vous pouvez collaborer. Amnistie, ça ne veut pas dire impunité, non. L'homme dit amnistie, ça veut dire 10 ans, il y a 5 ans. Mais moyennant que vous collaborez avec l'État pour faire l'État comprendre la complexité, problème ça, aux âmes ça, au côté au sorti. Qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui est bon dans le kidnapper, côté l'argent ça, au fait. Comment nous séparer l'argent ça, avec deux négats ça. Parce que depuis un jeune garçon, nous sommes commandant Delma, nous sommes dans la bataille avec l'armée rouge. Nous soyons 10 ans classés l'armée rouge. Et nous n'avons pas passé une bonne gang qui fait, qui forme. Après, l'autre gang toujours formé, oui. Mais si nous voulons résoudre le problème ça, on fait pour tout, il faut résoudre le problème social, et il faut résoudre le problème de tout le monde. Qui va garder la cravate? Qui va garder la cravate qui va alimenter bagay ça? Et ça nous connaît déjà aussi. Qui est le gars qui a fait là? Gen gang yo sans pourquoi gen amnistia yo dit qui moun ki ba ou lui. Pas aucun souci. Mbon garanti, un gouvernement qui inspire confiance à tout le monde, qui va venir faire rien pour le monde, faire mon plaisir, qui seulement ouais dans tête li, bonheur peuple haïtien. Parce que même qui fait plus bon pour moi, qui fait plus bon pour tout haïtien, c'est vrai que le peuple nous a vivre en toute tranquillité. Que si nous gagnons l'école, que nous gagnons l'église, que habitant gagnent fait jardin, sans que li pas paniquer. C'est devoir, nous, premier devoir, nous, c'est bailler peuple nous sécurité, bailler tranquillité. La paix publique, pas bien prix. Société à nous pêcher, nous tous, qui va payer arriver côté là. Mais pour nous avoir pris, vous ne payez. Et ça fait amnistie avec la commission vérité. C'est lui, mais depuis peu, la commission vérité. Vous pensez vagabond tuer Jovenel Moïse, il y a voulu que la commission vérité fait. Vous pensez vagabond, quelqu'un qui voit le corps de Caribe, il y a voulu la commission vérité. Non, non. Vagabond, voilà comme c'est hier, achat. Il y a voulu commission vérité. Vagabond, vendre des l'écho, qui crase la médaille illégalement, inconditionnellement, qui vend, minoterie d'Haïti, qui vend cimenterie d'Haïti, et Naol, tout ça qui produit pour nous. Vagabond, crase production nationale, nous, qui fait que du riz, que nous avons capacité pour nous bailler tout peuple, nous, toutes céréales que nous voulons. Je dis, on a importé plus que $1 milliard de riz chaque année. Vous pensez, vous voulez commission vérité? Jamais. Non, donc, commission vérité, c'est taper mon sur les nerfs. Donc, moi, c'est que, ou attaquons gros point là, dossier commission vérité, moi, c'est un homme d'abondance, même moi, est-ce que, ou faire provision, et, mon, y'a pas le citer, non, là, pour mettre contre la pointure, là, que, et, ben, j'ai au fin d'où, c'est tel qui était bonnes âmes. Est-ce que vraiment, ou de courage pour mettre contre la pointure, mon, ça, ou pas le citer, là, parce que, mon, ça, ou pas pitié, en pays, y'a. Et nous, qu'on est. Président Thomas Sankara, t'es fait ça, et, Burkina Faso, dans 3-4 ans que le fait président. La commission vérité là. Commission vérité, il faut que nous reconnaissions mal l'affaire. S'il veut une amnistie. Ça veut dire, demain, quand la qui va les amener, qui vole les copes de Caribia, qui vole l'argent, une construction haïtienne, l'argent coopératif, l'autre l'argent, il faut que reconnaisse ces volets liés devant le peuple là, en public. Avant que le cap bénéficie de l'amnistie. Demain, quand tu es président Jovenel, qui complote en Belka, lui-même, chef à Jean-Pierre, faut que je reconnaisse ces criminels, ces assassins, oui. Et puis, l'autre, ça, le cap dit, ok, si nous avons 20 ans, nous avons 10 ans. Bah, on peut lui ne pas dire. Et, oui, Ederson, continue. Et puis, si nous avons parlé, il y a un bagage, il y a une autre question, il y a un peu de mal. Bon, l'État, c'est ça, le tarmeillé, mais nous, on s'est suivi même, nous, qu'a fait là, je vous dis, il y en a, l'autre tourné, c'est même eux-mêmes, non. Eh bien, c'est pour raison ça, moi, Zou. Ouais, donc on dit Ariel moi pas servir avec système ça même. Système ça me pas faire confiance. Les pour monde bien dans système ça me pas confiance encore. Des pour monde bien dans système ça pas faire confiance encore. Non, système ça son système d'écraser les pays, son système reste avec son système tue ambassade américaine, son système qui va mener Haïti aucun côté. Nous gagne pétrole dans pays, qu'il y a un monde qui cap d'une bagarre. Nous gagne l'or, nous gagne pas quelque bagarre dans ce sol, nous gagne uranium, nous gagne bagarre l'autre pays va gagner besoin de 2 ou 3 pays seulement dans le monde. Nous voulons qu'on dise ça, oui. Nous voulons qu'on ici, je ne participe pas, oui. Donc, sénateur, nous gagnons, département d'État, augmenter, eh bien, 200 millions de dollars sous tête de l'homme, pour arrêter le monde qui a fait le joint pour le de l'homme, excusez-moi, pour arrêter. 2 millions. Et le reste de qu'on est, la mensonge, vous habitez tout. Vous mettez 1 million de dollars sous tête, la mensonge, pour être qu'on est côté la vie. Comment traduit le film ça, ou même? En bon, si on est allé, ici, t'as pas de 2 heures de temps dans le salon qu'à éviter l'homme. Vous pensez que toute radio, tout téléphone, n'existe pas dans le salon?
pas de bon là-dedans, mais qui pas connaît exactement qui continue à CNN, il n'y a pas la vie de l'homme. Ya. Ça a été coordonné. Exactement. Alors, première puissance pays, je n'en ai pas cru, il y a besoin comme ça. Alors, il va descendre le bras. Ce n'est pas tout le temps où on a eu à faire interview avec Routeuse, tout le bagaille. Tout le monde, téléphone seulement, et son GPS là-dedans, tout le monde connaît exactement où on a eu. Et moi, si, le fait qu'il a eu parlé de téléphone seulement, après TikTok, après tout le monde, on connaît exactement où on a eu. Moi, si, blanc, bail. Mais je dis à l'Ipao. Ok, d'accord. Je dis à l'Ipao. Mais pourquoi ça, il y a fait ça? Pourquoi ça, il y a pas non, fait, mais ça, c'est visible. D'accord. Yo fait ça parce qu'on va respecter d'être nous. Parce que même je dis à la, dans le mouvement, il y a des gars qui disent, vous n'êtes pas là blanc, vous avez contact blanc. Comme si vous n'avez pas compris le message, moi, non? Des gars qui disent, moi, qu'on a dit, qui, ah, et dans ce sens, vous n'êtes pas là blanc. Comme si vous n'avez pas pensé que faut qu'on pas là blanc. Pour prendre décision, pour prendre pays où. C'est grave, oui. Bah, un blanc, non, moi-même, je voulais pouvoir être bon contact avec blanc, bon voisinage, que le chinois, que le, la Russie, que l'Américain, que la France. Mais, États-Unis n'est pas obligé de ne pas faire commerce avec la Chine. Là, ils ne pas faire commerce avec la Chine pour obliger de me prendre Taïwan. Ouais. Ça, Taïwan, gars, ici, moi. Voilà, voilà. Ça, gars, ici, le peuple, moi. Il ne faut pas que la Chine continentale, ou est-ce que Jamaïque, nous faut dire une Jamaïque, ou est-ce que c'est le net, oui. Il faut un allemand pour voir. Mon cher, regardez des jouets. Il faut un allemand pour voir. C'est bien bouge pour le bain, bon jus. C'est nous pour faire pays. C'est nous pour faire pays. Il faut apprendre à un projet Haïti. Il faut que nous même Haïtiens nous prenions Haïti. Il faut que nous prenions Haïti à son réalité. Il faut que nous prenions la danse. C'est vraiment un jouet et ça qui a passé, hein. C'est-à-dire, jouer des leaders, nèg qui respectent les têtes, qui remet pays, hein, qui capable de mettre pays ça et qui capable de mettre pays ça vers l'avant. Donc, ça veut dire, il était Kavin Areto, ou même, qui était sénateur de la République élu, il était moi un peu pour ensemble, sans compte, mais l'autre nèg, ça même impossible pour eux. Bon, donc, c'est pour montrer aux gens blancs, ensemble, fait. Moi, c'est l'agent de la République. Pas aucun problème sur mon bagage. D'ailleurs, il y a arrêté de me dire droit de monter. Quand il est aux États-Unis, on dit c'est comme des gars sur mon bagage. On va regarder le public. Il va pas être droit de dire tout le dit c'est comme des gars. Tandis que eux-mêmes, président Matéli, on est là, il dit, mais preuve, ambassadeur a dit ça au cap, mais preuve que Matéli est dans le droit. On dit le droit. Mais jusqu'à présent, là, il a mis l'axe. Bon. Donc, en attendant, monsieur, qui monte les gars faire là? Qui hypocrisie? Qui. Appelons un collègue. Alors, Guéfé, les plus. Qui gagne plus que ça? Ça, les clair, les toits clairs. Moi, c'est même un petit bébé, toi, moi, Capabuel. Et sinon, jouette. Mais quand on parle de blanc, les blancs, ils font dormir. Chaque semaine, elle vient faire dormir, elle vient mourir. Nous, nous, je fais un bagage sérieux. Ils pensent qu'on va passer, ils vont nous dire qu'on va faire discussion. Ils font un bagage pour nous faire discussion entre nous. Comme s'ils vont. Sénateur, bon, on a l'ordre de faire couper sur des sujets de Caribéa, même avec ce politique-là. Donc, est-ce que si les bougons, ils sont là, tout n'est pas ici d'argent de l'argent béto car. Parce qu'on silence absolu sur question de l'argent béto car. Mais ça, c'est qu'on a là, ben, ça va être un sénégal, pas bon sinon encore. Mais Dieu sait plus, c'est un bon sénégal. Qu'est-ce que c'est le style qui est là, pour une soirée là, pour une dame de la 50 mois là, encore, il y a soir, jusqu'à présent, toujours à bruit là. Et pas celle-là, l'argent béto car, il y a un avion, non? Médication? Médication, nous l'a tombé, je le dis là. Et pas celle-là, l'argent béto car, il y a un avion, l'avion, l'argent, c'est un avion là, mais d'Haïti, maintenant. Vous supposez qu'il faut que nous jeûnions. Faut que je vienne l'argent des Caraïbes, l'argent de construction haïtienne, l'argent FNU, de la 53 balles, faut que je vienne tout. Je n'ai pas venu, oui. Quand on m'a aidé, on m'a aidé, on m'a aidé, on m'a aidé tout. Une marée de graines. Il n'y a pas crasé. Marée de graines seulement. L'argent des États-Unis, c'est le meilleur. L'argent des États-Unis, c'est le meilleur. Si l'Amérique est développée, nous n'avons pas 23 à l'argent. Si l'Amérique est développée, nous n'avons pas 90% à l'argent. C'est un débat de même. Car c'est vraiment, vraiment compliqué. Avec Guy Philippe, donc à Gaspard, l'argent, yo, après tourner, si toutefois, sénateur Guy Philippe, eh bien, et lui, il veut contrôler le pays, ça l'amène. Mais après. Nous-mêmes, dans la révolution, on a bataille pour nous contrôler le pays, pour nous faire d'Haïti. Pour nous, peuple qui a mis la dignité. Pour les petits, nous, on mange. Faut que les petits, nous, on lever le matin, faut qu'on ait la bière manger, pour manger. C'est ton. Haïtien. On a gagné quand même. Ça m'a gagné tout ça. N'a pas gagné. Ou de l'appelons pour nous parce que nous n'avons pas l'argent. Nous n'avons pas moyen, nous n'avons pas les âmes. Nous battons pour nous. Et ok, mon l'État, qui a tout visé depuis plus que 50 ans. Nous-mêmes, route nous prenons une plus longue. Et une plus difficile. Mais c'est une bonne route là. C'est important que c'est une bonne. D'accord. Oui, voilà. Pas tous les sénateurs. Non, pas tous les sénateurs. On a besoin encore. Donc. Sur question éducation, parce que si sénateur est en politique, quand même, l'éducation, c'est à venir pays. C'est clair. Sénateur,
Nous remarquons là, l'école là, censée ouvrir votre lit. Et il y a plusieurs zones, l'école là, pas ouvrir. Donc, malgré l'aide, le ministère de l'Éducation nationale a dit que l'homme n'a pas fait par un et nous ne savons pas comment ça est. Donc, je veux dire là, est-ce que selon même l'école là, son école a ouvert en deux temps, parce qu'il y a un pile côté là, et en pile côté là, l'école n'a pas ouvert à cause de l'homme. Donc, comment comprendre l'ouverture de l'école là? Est-ce que nous-mêmes, nous pour l'école là, l'ouvrir? Mais est-ce que selon même, vous estimez que l'école là, lui-même, ni normal là, pour l'ouvrir dans le contexte que nous là, je veux dire, face avec la situation pays à faire ça? Non, comment je vais dire, sinon que, je veux dire, avant d'en parler, à petit l'école ouvert, lycée firmé, lycée des jeunes filles, soit qu'à l'école, il y a des gens qui ont dormi là-dedans toujours. Ça veut dire que l'école n'a pas ouvert. Soit qu'à côté de monsieur Axamio, l'école n'a pas ouvert. Alors, on va dire que pour sonder l'école ouvert, on va dire dans une zone, l'école ouvert. Tout le monde connaît l'école ouvert. Et même côté en province, par exemple, où est dans l'école ouvert, pas de banc, pas de frais, pas de tableau. Même tout ça, littéralement, je dis, beaucoup de mal que les fonds cochons dans la commune aux autres. Pas de banc, non? Pas de même tableau, pas de rien, non? Vous avez tout le monde livre. Comment vous avez l'école qui a un livre, qui a et puis encore, vous avez mangé pour l'école. Là, l'école là, sans manger. Professeur à l'école là, lui-même, sans manger tout. Ça, je pense que c'est une série de diversions qui a créé. Ou du moins, il y a un rapport pour le bail blanc, et puis ils font un bagaille. Donc, Je vole 9 milliards de gouttes. Pour le vin tout, que vous allez voir sous cash, sous mon cash, sous mon cash, vous allez voir tant comme pour chaque monde. Comment on a besoin de vérifier que vous voulez pour mieux? Ok, même si vous avez pour 10 000 monde, c'est reste comme là, ça vous fait avec. Qui te reste pas dans 9 milliards, vous à côté vous fait. Insécurité, c'est sécurité, en passant ces bases, tout bagaille qui cause tout bagaille impossible dans le pays. Ou pas qu'un bon pays, souvent une insécurité, souvent une stabilité. Haïti, c'est un illié, nous avons presque autant de kilomètres de plage que côte la France. Ça veut dire une des plus belles plages qui est en pile côté. Donc si nous prenons, nous avons fait un gros développement industrie touristique là en Haïti. Si nous prenons, nous avons fait manger pour tout le peuple, nous n'avons pas besoin d'importer un rien. Il suffit que nous fassions éducation pour nous apprendre à manger ça produit en Haïti. Nous disons comme la Sylvie la manger et ça qui est importé. Et pour nous apprendre tout pour l'État qu'on est, faut que nous protéger l'agriculture. Pendant l'année qui a dit nous là, c'est Bouddha ouvert, tout doit ouvert, tout produit entré, nous ne pouvons pas voler pas dans la gagne. Même si nous ne pouvons pas aller. Nous avons deux voies pour nous protéger les paysans. Nous avons décapitalisé les paysans. Les paysans ne peuvent pas vivre dans la section communale. Pas de l'école, pas de l'hôpital, pas de rien. Tout le monde est obligé à quitter à Port-au-Prince, à la grande ville. Nous avons l'État conséquent qui croit dans le pays, croit en Haïti pour fondre l'Haïti. Et l'affaire. Très bien. Et sénateur, nous souhaitons qu'avant 17 octobre, parce que je veux dire seulement 6 octobre, et gagner plus de démarches qu'a fait, mais plus d'arrangements qu'a fait pour le mouvement les plus bien structurés. Et je pense qu'ils vont passer pour qu'à bail public là, on est très, très occupé de tous côtés, mais qu'à passer par notre feedback de comment bagaille. Et pour je veux dire, nous voulons quitter aller, parce que vous parlez suffisamment, et vous faites connaître, vous soutenez plusieurs réunions. Sous mon dernier mot pour le peuple là, je veux dire, qui ça la pire? Je dis au peuple là que l'espoir Haïti c'est sous le lit, c'est sous le peuple là. Pas d'aucun leader qui a changé Haïti si le peuple là va tomber des dolls. De sa ligne, madame, qui a ça le fait, ça le fait, si le peuple haïtien va tomber avec. Et pourquoi nous faisons sacrifice? Nous souvenons ça, Haïti, nous sommes tous petits. Pour nous, chaque fait ça, nous avons fait là. Ça qui a dans l'arrière, là, dans l'arrière. Ça qui a des amis, quoi, pour encourager le monde, pour pouvoir faire du fait. Mais nous tous, supposons mettre maintenant dans la patte là. On ne va pas attendre le réveil. On ne va pas regarder qui ça dit Philippe a fait, qui ça Jean-Pierre Joseph a fait, qui ça ministre a fait. On nous encourage mon yo pour aider mon mouvement. Pas pour mon qui baille message, mais pour message là même, pour Haïti même. Nous comptons sur nous, sous diaspora, qui c'est nous-mêmes qui motte Haïti, Québec Haïti, qui a voulu quoi bouffer mine, pour en chaque semaine, pas là avec eux. Dieu, c'est pas parce que nous voulons $20 pour nous oublier Haïti, pour penser au bien. Faire un point de sa vidéo. Donc merci, en ville. Voilà, c'était commandant Guy Philippe, ancien sénateur de la République, et que, qui était à faire une intervention. Sous dossier la dominicanisme, sous situation politique pays, qui s'est fait, et Guy Philippe fait un petit parler, et pas de bout de temps. Maintenant, on nous prend l'autre intervention en cause dans l'Elika, qui réagit sur ce qui a passé en Haïti, et sous situation haïtienne en Dominicanie. C'est dans l'Elika, l'appareil, nous comptons saluer. Ancien président, toi, ancien président, pour arrêter. Après, son marché, ou prend oligarque. Si on part en Haïti, ou fait un conseil des ministres. Dans le conseil des ministres, là, vous décidez à tout ministre, liste moun sa yo considéré comme des terroristes en Haïti. Quel que soit côté OEA, il faut yo extrader vos baou. Allez-y, ou gros liste à peu près de 45 hommes qui sont terroristes. Nous n'avons pas même besoin. Nous qui dans groupe de bouton, groupe blackout de la grille, ça fait 100 peuple à couler depuis 5 ans, depuis 10 ans.
Kouri a l'or fin plan, monsieur Sayo, et politicien qui l'en gang, Walder, même je vous fais le Salvador. Salvador, politicien de gauche, qui était dans FMLN, qui n'a gang parlementaire, chef parti politique, qui était dans gang Yareto. Politicien de droite, qui était dans gang Yareto. Et je n'ai pas Aristide Lidou en bas code. Et monsieur Beno gang yo. Après ça, il y a un gang qui après ça, il y a un essayer d'équiper les gang. Nous comptons tout le gang yo men. C'est 13 millions de monde qui besoin la paix de buter. Nous ne pouvons pas griller dedans à des nègres qui prennent un pays en otage. Côté des petits qui mourir dans la caille. Côté des mamans, papa, par contre, côté pour mettre des côté des affaires, nous, des abus de domaine avec une minorité raciste que nous avons mis en place. Si nous comprenons, nous, ça t'a voulu dire, ou pour nous te cap gagner un deuxième premier ministre Ariel, connu t'a doué un premier ministre Kankou Ariel. Là, il s'est lui-même seulement que mettre pouvoir pour faire toute bagaille. C'est pas, et pas moi-même, non, c'est la constitution qui dit. L'on pas un parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre avec cabinet ministériel qui a dirigé l'État. Ok. Même premier ministre qu'on est là, je ne veux dire, si monsieur pas nettoyé, primature, côté des ménages privés qui l'autre bois, côté des derniers qui n'ont d'autres qui besoin de premier ministre, monsieur pas nettoyé cabinet ministériel là, pour mettre un cabinet solide qui a rétabli la sécurité. Excusez-moi, un cabinet grain crasé qui a rétabli la sécurité. La justice à président Jovenel Moïse. Organiser les élections pour que le gouvernement constitutionnel, non délai qui va dépasser 9 mois, si monsieur pas fait la tomber en février. Comme toujours, tout bagaille à l'avance. Le premier ministre qui l'a, le premier ministre qui l'a, si monsieur pas nettoyé primatia. Monsieur Pacan, pour cabinet ministériel solide, vagabond, votre prince a mis la terre en février. Oui, mais Pierre, il m'a arrêté. Oui, mais Pierre, il m'a arrêté, puisque il y a CPT, mais CPT se font un deuxième bagaille. Regardez, pas grave, Pierre, m'a arrêté. Je vous le dis, nous tous connaissons le ministre de la Justice là, dans qui camp politique qui est lié. Ok. Monsieur Pacan, affaire de justice. Monsieur Pacan, il est tout le président. Que le bras là, on est comme ça. Ah bon? Et nous, c'était fini évoqué, on est sérieux dans le LD. Bon, où est-ce que Guillaume, tu es dans primatia et comme commissaire gouvernement, Nexayo qui fait usurpation de titre? Vous pensez que M. Badal a arrêté Nexayo déjà? Je dis à nous, besoin de monde qui a caractère dans l'État et monde qui va venir voler. Donc, Guillaume, c'est ton bon commissaire gouvernement, d'après vous-même? Ah, nous, si c'était Guillaume qui était là, l'a arrêté le conseil de transition pour usurpation de titre et comme voler. Oh. Donc moi même comme un bagaille. Ouais, le cas pour Kenya là, le cas pour Kenya là. Son seul bagaille, génération Pamna, génération Paula café pour des jeunes tant pour galette pour d'autres jeunes capitaine de radio là. Mais même pas venir radio pour régler rien peut-être moi. Soit avec des pays qui n'a parlé là. Ou pas conseil de jeunes dans pays qui ont 30 ans, 29 ans, 28 ans, 27 ans, conseil de nèg candidat dans pays qui a saboté avenir tout petit monde ça même. Tout si monde dans le pays. Donc, vous mettez le pays à notre direction ou retournez le pays à la sécurité et l'ordre constitutionnel. Pour faire, pour vos cabinets de son magasin, green crasé. Green crasé. Et vous parlez avec vous déjà, député. Même pour nous, un modèle là qui est très bon, c'est modèle Salvador. Amen. Salvador a arrêté trois anciens présidents, Géon qui courit sauver pour ne pas bien mettre en bas côte. Il a arrêté oligarque, il a arrêté politicien de droite ou de gauche qui était dans la gang, qui était dans la corruption. Il a baillé le pays en chance, il a relevé le système judiciaire. 85% de monde qui était dans la corruption, qui était dans la dedans. Il a voulu y aller, il a monter avec des jeunes cadres qui viennent réformer la justice et la trier. C'est là pour nous passer si nous voulons battre un pays. Et puis, devons bien venir, ok? Agenda blanc, c'est qui ça? Son équipe de blanc, il y a plusieurs blancs, bien blanc sérieux. Blanc sérieux, pas de temps pour la prégler les bagailles dans la Chine, la prégler les bagailles dans l'Ukraine, la prégler les bagailles de l'autre côté. Et puis, je vous dis, à dossier nous, au niveau international, c'est blanc volé capturé, blanc vicieux capturé. Oh! Donc, je vous dis, il faut comprendre que blanc capturé, dossier Haïti, à son blanc volé qui est lié. Un blanc gangster? Ça l'a pris top. Ça l'a mettre en place là, c'est qui Jean pour son coup d'état pour mettre des pots pétroliers, Cabral Bali, tout ça qu'en bataille, et puis nous-mêmes nous venons rien là-dedans. Nous pas qu'à quitter ça fait. Pour retirer le peuple dans la misère, ça qu'en bataille, il faut que son gouvernement sérieux qui pour négocier pour que nous jouions 70-80% là-dedans, nous baillons 20% pour nous la paix.
Et ça ne mais question de blanc, je le TSC fait avec Mindo, 24 carats, qui vaut 30 milliards de dollars américains, côté blanc vini, blanc volé, il a pris 97%, et puis il a pris 3%, moi-même, bagage ça, on a essayé de rentrer là-dedans. Parce que nous, on n'a pas les là, ça fait peur, oui. Mais, n'est-ce pas que ça a été là, que n'est-ce pas besoin de dans le pays, parce que, étant donné que, dans 10 ans qu'il vient là, et la Chine va l'attaquer Taïwan, et Taïwan, c'est le premier producteur de semi-conducteurs. Semi-conducteurs, là, c'est avec terre rare qu'on fait. Il y a besoin de terre rare en Haïtien pour un projet de semi-conducteurs. Même surtout, les gens qui ont besoin de voler là, dans Gomier, dans Jérémy. Il faut que nous voyons les blancs. Ou pas sans voler. Parce que nous-mêmes, nous avons besoin de voler ça, et t'as tout. Pas sans voler dans le pays, quel que soit haïtien, des bons blancs, ils viennent dans la section communale, ils suspectent tout à l'heure. Oui, on va nous retourner dans le modèle ça. Des bons blancs débarqués, dans quel que soit section communale, la ville. Nous avons besoin. Mais par aucun blanc qui a vu voler nous là. Oui, mais Sandé, est-ce que vous pensez, ou bien est-ce que vous comprenez, ou bien vous connaissez même, connaissez tout ce qu'on a décrit là, connaissez la Kali? Ah, moi-même, je ne peux pas évaluer si monsieur Gael ou pas Gael. Et c'est ça, au tout dans l'État, bon côté, ce n'est pas assumer leadership l'État, même si Ariel participe dans tous les présidents. Mais ouais, j'en campé le garçon sous lui. Bon côté dans l'État, pour camper. Sous pas un garçon sous, ou pas qu'à camper dans l'État. Donc je me dis, qu'on y a deux options. Continuer à faire qui jouer avec le système n'a pas joué avec lui là. Faire le voyer, violette dans le parlement, qu'elle pas de voyer. Mais le chef, vous avez bon gens pour foncer des bagailles. Ok? Donc moi-même, n'a pas fait là, il a affaibli monsieur par grappillage. Il a mis un nègre dans le dos pour affaiblir par grappillage. Parce que bon coup d'État. Deux coups d'État en coup là. Et pendant ma parole avec vous là. Donc je ne dis pas, nous-mêmes, nous besoin un pays normal. Nous besoin un pays stable. Un pays côté tout le monde qui a respiré là-dedans. Pas de baguette magique. Il y a des ABCD pour faire, pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, pour mettre sécurité là-dedans, pour diversifier l'économie. Pour ces bons petits groupes nègres volés qui gagnent l'économie en amel. Pour que dans chaque province, nous créions des grands nègres. Dans chaque province qui a des secteurs économiques qui ont créé, pour nous battre un pays côté tout le monde qui a une chance. Côté jeune, qui a l'étudiant, qui a une expérience, qui a une capacité, on côté le rentre pour prendre crédit, le monde business ni tout. Je veux dire, pays ça n'a pas existé. Pays ça n'a pas existé. Ce petit point de nègre dans Port-au-Prince, qui eux-mêmes, si pour un de nègre ça, qui n'a pas de prince là, c'est l'État en otage. Et nègre qui n'a transition. Que le conseil de transition, c'est rester avec groupe Blackout qui est, rester avec groupe de Boudon, rester avec conseil de Blanc Volé qui est. Parce que nous avons réglé avec eux. Donc je veux dire, si nous voulons battre un pays, il y a des options devant nous. Ou il y a des options système, non? Et puis même corruption, même scandale, il y a continué, même nouvelle, il y a continué à bailler, et puis situation peuple a dégradé, peuple qui Saint-Domingue a souffri, haïtien qui tout côté a un problème, il n'y a pas l'État pour aider. Ou bien nous choisir l'autre route là, côté nous voulons le retour à la sécurité, retour à l'ordre constitutionnel. Donc mettons un gouvernement avec un premier ministre qui là, c'est soit l'assumer responsabilité, ni nettoyer primatia, lui font remaniement cabinet, et puis le marié n'est qui dans le conseil de transition. Tout va qu'à faire, ça va pas aucun côté. Dernière question. M'connais qui est souillé. Question quai, question bataille, et surtout dans Soussou. Depuis soutenant Soussou, ou c'est Nèg Nord-Ouest, ou c'est petite Mopa, ou c'est petite François Capois. Et écoutez non, Kako, c'était là Kayou, bataille Kako, c'était Jean Abel. Mais écoutez, crime ça passé la Tibonite particulièrement Ponsonde. Et presque, bon, nous-mêmes dans le matin débat, nous quand on doit parler de même 80 morts jusqu'à présent. Mais jusqu'à alors, présent. Hier, correspondant, on te dit 109. 109. Hier, 109. Ma parole, moun ponsonde, journaliste ponsonde, ti moun ponsonde kap kontrole. Mais écoutez, jusqu'à présent, population a pas wè solution, pas gen rien. Et gen hélicoptère kap volé, nous te pensé c'est hélicoptère de guerre, c'est hélicoptère pour transporter moun.
qui sont qu'a dit ça est dernière question pour aujourd'hui. Bon Jean Bagay. Nous pas vivre à faire pension des plusieurs fois déjà. Là le matin débat situation la Tibonite là pendant 3 ans qui sont passés là depuis n'yo fin tuer président. Nous pas vivre plusieurs fois déjà. Soit vivre là c'est des bagages qui nous ca bloqué qui nous ca empêcher d'arriver en dedans pays là. Quelle solution simple. Bon répéter pour tout le monde qui attend des radio. Sougon premier ministre son gouvernement qui gagne détermination. Ou non mon ministre, qui est à la fois ministre de la justice et ministre de la défense. Lorsqu'il nomme mon ça, qui est ministre de la justice et de la défense, ou non mon ministre délégué chargé des renseignements. Ou bali tout comme renseignement. Pour qu'il pénètre la société en matière d'informations qu'il a cherché. S'il a cherché information sous gang, tel gang, gang qui la Tibonite, combien gang qui existe dans la Tibonite, combien moun qui dans gang ça, qui qualité zam que vous gagnez. Est-ce qu'il y a un M14? Est-ce qu'il y a un Galil? Est-ce qu'il y a un Uzi? Est-ce qu'il y a un AR-15? Ou fait évaluation gang là? Combien de motocyclettes? Combien de numéros de téléphone qu'il gagne? Et la prière? Qu'il y a l'offre de collecter informations, ça, service de renseignement, à collecter informations sur tout gang? Ou monte une structure de sécurité nationale? L'offre de faire li? Ou prend 1500 policiers? Ou prend 1000 soldats en de la mea? Ou monte une unité spéciale de 2500 hommes. 2500 hommes. Nous connaissons déjà un commissaire qui a une capacité et qui connaît vous même pas bal non, non ni là. Ou mettez commissaire ça dans tête unité spéciale ça. Ou relé Salvador. Je suis le président Salvador, je suis le vice-président Salvador. Ou relé ou dans le téléphone. Nous dit, voyez, 7 spécialistes pour moi pour venir faire un entraînement spécial pour moi. Pendant 45 jours, unité spéciale ça recevoir formation sur